une campagne follement excitante parce qu'elle rebondit sans arrêt. Le mot qui me viendrait immédiatement à l'esprit, c'est folle. Tout le monde ne regarde qu'une seule chose, c'est qui va pouvoir battre Marine Le Pen. Contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. Les équipes Sarko étaient obnubilées par Juppé. Les équipes Juppé étaient obnubilées par Sarko. Et donc, on s'est quelque part tapé dessus. J'ai été heureux de participer à ce combat. Au revoir à tous. C'est quasiment le pire des scénarios pour Nicolas Sarkozy. Perdre dès le premier tour, c'est l'humiliation pour un ancien président de la République. C'est une présidentielle qui a entraîné beaucoup de morts, puisque énormément de candidats ont disparu. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. C'est la première fois qu'un président en capacité de se représenter renonce à se présenter à sa propre succession. Ça n'arrive jamais en Europe, ça. Jusqu'au bout, il a fallu que je négocie le soutien du gouvernement pour ne pas l'obtenir. Sur le podium des trahisons, il y a beaucoup de monde sur l'estrade. Beaucoup de monde. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. François Fillon a fait comprendre plus ou moins à Nicolas Sarkozy qu'il allait jeter l'éponge. Je l'ai vécu, cette élection présidentielle, comme cauchemar. Suicide collectif que personne n'a pu empêcher. Il faut que les bulletins de vote donnent le coup de balai qui les fasse tous sans exception dégagés. Est-ce qu'on va pas se retrouver avec un match Le Pen contre Mélenchon? Ça aurait été très atypique. Ça aurait même été un peu révolutionnaire, on peut le dire. Merci d'être là, de vous être battu avec courage et bienveillance. Pendant tant de mois, parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Des forces politiques qui ont structuré la vie de la France pendant des années sont mortes à jamais dans cette campagne. Il y a un avant et un après. Personne ne peut le nier. Bonsoir à tous. Qui oserait dire aujourd'hui qu'il avait anticipé le verdict des Français pour l'élection présidentielle de 2017? Nous allons ce soir vous faire découvrir les coulisses et les secrets de ce séisme politique. Comment ce scénario impossible est devenu la réalité et comment aujourd'hui encore certains restent stupéfaits par ce qu'ils ont vécu. Qui aurait parié sur le renoncement du président sortant François Hollande? Qui aurait pensé voir disparaître à droite Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, puis François Fillon, candidat issu de la primaire, qui était presque sur le perron de l'Élysée et qui a chuté en quelques semaines? Comment imaginer que le candidat socialiste soit réduit au rôle de figurant face à l'éloquence de Jean-Luc Mélenchon? Enfin, combien était-il dans la classe politique et parmi les journalistes à assurer que la popularité d'Emmanuel Macron n'était qu'une bulle médiatique? Impossible victoire, entendait-on, et pourtant c'est bien ce jeune inconnu, il y a peu, qui occupe aujourd'hui le fauteuil de président de la République. Alors comment cette recomposition et cette révolution ont-elles pu voir le jour? Vous allez découvrir dans ce document exceptionnel chaque pièce de ce puzzle qui va se recomposer sous vos yeux. Un roman passionnant qui débute le 12 octobre 2016 au Palais de l'Élysée. À la une, dans la tête de François Hollande, des incroyables confidences d'un président. On a presque l'impression de lire un journal intime, tant certains propos sont stupéfiants. Un livre dont toute la classe politique parle depuis ce matin, et pas en bien. On est au courant strictement de rien. Voilà, donc on est confronté à ce livre que les uns et les autres lisent à toute vitesse dans la journée. Nous avons lu le livre à plusieurs en quelques heures, puisqu'il fait quand même 600 ou 700 pages. Si le chef de l'État acceptait le principe de ce livre, c'est pour reprendre la main à l'approche de la fin de son quinquennat et de la future élection présidentielle. À l'époque, sa cote de popularité est au plus bas. Il nous dit à un moment donné, je sais que je suis inaudible, mais je compte fermement sur ce livre. C'est ce livre qui fera foi, qui fera la différence. Donc lui, son sujet, quoi, c'est bien sûr être élu, mais c'est surtout faire en sorte que le Front National
ne puisse pas accéder à nouvelles responsabilités. Marine Le Pen, depuis le départ, on sait qu'elle va faire un score dans cette élection présidentielle. On sait que le chômage de masse qui s'est installé, la montée du terrorisme, on sait que tout ça est un terreau favorable pour elle. Tout le monde ne regarde qu'une seule chose, c'est qui va pouvoir battre Marine Le Pen. Mais pour le moment, les conseillers de l'Élysée semblent plus préoccupés par un autre problème, les commentaires du président à l'égard de son propre camp. Il y a 602 pages qui ne posent pas problème. Mais il y a 15 pages qui posent problème et la polémique commence très très vite. Bon, pour être honnête, notre première réaction a été d'éclater de rire. Et puis après, tout d'un coup, d'être saisi par l'énormité de ce qu'il avait fait, quoi. Ce qui restait de dignité attachée à la fonction présidentielle est tombé d'un seul coup, comme du bois mort, sur un arbre. On a vu que le problème allait venir d'un certain nombre de personnalités, surtout de gauche, qui allaient se sentir visées par tel ou tel propos du président. Manuel Valls, Hamon, Macron, Bartolone, Montebourg, Najat Vallaud-Belkacem, tous, ils ont été meurtris par le fait qu'il y ait des phrases sur eux qui disent franchement ce qu'ils pensaient d'eux. Parmi ces personnalités, il y a donc Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, que François Hollande juge insuffisamment compétent pour devenir Premier ministre. Il n'a pas l'envergure, il n'est pas très connu, et le jour où il le deviendrait, il n'a pas un charisme considérable. Les représailles de l'intéressé ne vont pas tarder. Claude Bartolone décide à ce moment-là de se retirer de tous les dispositifs politiques dans lesquels il pouvait être. Donc, il participe plus au dîner de la majorité, il boude les manifestations où peut y avoir le président de la République. Il organise à l'Assemblée nationale la bataille pour que Hollande ne soit pas candidat. Quoi. Il le dit clairement, hein, donc, et de manière ostensible. C'est le président de l'Assemblée nationale, il a un peu d'autorité. Claude Bartolone ne fera aucune déclaration publique sur cette crise. En revanche, Manuel Valls, le Premier ministre en déplacement au Québec, fera lui entendre sa voix deux jours plus tard. Notre comportement aux uns et aux autres doit être digne et doit être à la hauteur de ce que les concitoyens attendent de la part de ceux qui gouvernent. Je suis furieux. Je suis à la fois inquiet, mais je suis furieux parce qu'il se livre trop. Et le titre d'ailleurs du livre lui-même résume voilà tout ce qu'il ne faut pas dire. Il faut de la dignité, il faut de la pudeur, il faut de la hauteur de vue. D'une certaine manière, je considère qu'il est en train d'abîmer la fonction et l'État. C'est dur ce que je dis, mais c'est ce que je pense profondément dans ce moment-là. Donc avec le livre, je me rends compte vraiment qu'il ne pourra pas être candidat. Alors que le président pensait réaffirmer son autorité sur sa majorité, sa stratégie va clairement se retourner contre lui. Au même moment, la campagne de son meilleur ennemi à droite connaît elle aussi un retard à l'allumage. À moins d'un mois de la primaire de la droite et du centre, Nicolas Sarkozy n'est pas le favori des sondages. Il affiche toutefois une détermination à toute épreuve, comme ce soir-là, à Toulon. J'ai besoin de votre force, j'ai besoin de votre enthousiasme, j'ai besoin de vous donner tout pour la France. Et chers amis, on va gagner la primaire. Et après, on ira présidentielle. Ensemble, rassemblés pour la France. Fait une belle salle au Zénith, il y a plein de monde. Moi, j'essaie de l'avoir pour Paris Match. Et puis, il a un anniversaire le soir même, il est avec son épouse, avec son clan, et il ne peut pas me recevoir. Et il me dit rendez-vous demain au Cap Nègre. Nicolas Sarkozy précise également aux journalistes que l'interview se fera à vélo. Le lendemain, comme prévu, les deux hommes partent durant 3 heures à travers le massif des Maures. Un petit côté challenge. Il a envie de me montrer, à travers ses propres capacités physiques, qu'il est solide, qu'il est en forme. Et à un moment, quand je lui dis, mais Alain Juppé, il fait la course en tête depuis le début, il est 10, 20 points dans les sondages depuis pratiquement un an, et ça va être compliqué, même pour un ancien président, même pour un président des Républicains, de remonter autant de points en si peu de temps.
Et là, il me dit à ce moment-là, en 1968, il y a un coureur hollandais qui s'appelait Janssen qui a gagné le Tour de France en ne portant jamais le maillot jaune de toute l'épreuve. Et le dernier jour du Tour de France, il finit par prendre le maillot jaune et il dit « c'est ce qui arrivera ». Après le premier tour, je passerai en tête et le dimanche du deuxième tour, je serai devant Alain Juppé. Malgré cet aplomb affiché, l'ancien président se serait bien passé de cette primaire, imposée par François Fillon et Alain Juppé. Nous savions tous, ceux qui soutenaient Nicolas Sarkozy, que les chances étaient incertaines, mais sa qualité de président, son abattage, son énergie, sa force de vie, sa compréhension du pays, la lucidité de son projet, nous amenaient à penser que le coup était jouable. Moi, je me rappelle, il me l'a dit. Il me dit, ceux qui croient que je veux pas des primaires, il ferait mieux de se méfier que je compte bien la gagner. Et il a tout fait pour la gagner. Il est très déterminé. Il pense qu'il peut être la personne idoine pour permettre de continuer à relever ce pays. Tous les candidats à droite savent que celui qui gagnera cette primaire a toutes les chances de l'emporter face à la présidente du Front National, annoncée depuis des mois au second tour. Le deuxième débat qui les voit s'affronter présente dès lors un enjeu considérable. Bonsoir à tous, messieurs, dames, pour ce deuxième débat des primaires de la droite et du centre. Ce soir-là, parmi les sept prétendants, celui qui a le plus à perdre est le favori. Alain Juppé ne veut sans doute pas entamer son avance. Il se pose alors en juge de paix. Je ne me présente pas contre Nicolas Sarkozy, je me présente d'un côté contre le Front National et de l'autre côté contre le président sortant qui a abîmé la fonction présidentielle. Nous sommes aujourd'hui concurrents. Juppé, il faut s'en souvenir, est quand même très très haut dans les sondages à ce moment-là. Donc pour Sarkozy, la question ne se pose pas. Le duel qui aura lieu sera entre Juppé et lui. Alain Juppé, quelqu'un qui est plus âgé, plus rassembleur. C'était quelque part la der des ders, la dernière campagne, la plus importante qui soit. Au cours de ce débat, Alain Juppé ne s'en prendra pas à l'ancien président, à la différence des autres concurrents qui en font une cible privilégiée. La ligne de Nicolas était une ligne vraiment à droite, ouais. Et il ouvre à des ministres de gauche. Ça n'a rien à voir. D'abord, je te rappelle que tu as participé au gouvernement et que non seulement tu voulais y rester, mais tu même postulais pour être Premier ministre. Tu ne devais donc pas être en total désaccord avec la politique. Pour une politique totalement différente, Nicolas. Et même toi, Nathalie, je te rappelle, tu étais numéro 4 du gouvernement. Oui. Je ne regrette pas ta nomination. Et le Grenelle de l'environnement, non ? Je ne suis pas sûr de le refaire, mais je ne regrette pas ta nomination. Il n'aura pas l'occasion. Bon. Mais pour le Grenelle de l'environnement, on aurait aimé savoir, quand même. Moi, je sens Nicolas Sarkozy très tendu parce qu'il concentre les critiques. Il a été président de la République. Les gens qui sont autour de lui sur les pupitres ont tous été ses ministres. Face à Nicolas Sarkozy, on retrouve également son ancien Premier ministre, qui, lors de son entrée en campagne, n'a pas hésité à l'attaquer frontalement sur ses déboires judiciaires. Qui est le vrai François Fillon ? Celui qui reste 5 ans à Matignon ou celui qui critique Nicolas Sarkozy aujourd'hui ? D'abord, ça a été un honneur pour moi d'être Premier ministre pendant 5 ans et d'être pendant 5 ans toujours loyal au président de la République. François Fillon a eu une cible dans le début de cette campagne présidentielle. C'était Nicolas Sarkozy. Avec la fameuse formule « Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ?», qui est une formule évidemment très agressive à l'égard de Nicolas Sarkozy. C'est aujourd'hui pour moi un honneur que d'être candidat à l'élection présidentielle pour présenter un projet qui, de mon point de vue, est le seul capable de redresser notre pays. Voilà, c'est aussi simple que ça. Personne n'a regardé François Fillon jusqu'au débat télé de la primaire. Il était crédité dans les sondages qui étaient faits de quelques pourcents. C'est vrai que pendant la campagne primaire, François Fillon a été plutôt inaudible. La présidence que je veux exercer, c'est d'abord une présidence digne. François Hollande a abaissé la fonction présidentielle. Il l'a abaissé en intervenant à tort et à travers. L'un des atouts de François Fillon, c'est la sobriété. Et dans ce débat, il apparaîtra sobre. Ses idées, ses convictions, sans nervosité. François Fillon apparaissait comme plus raisonnable que Nicolas Sarkozy et comme plus audacieux qu'Alain Juppé. Il a réussi à se réintégrer dans le jeu et au fond, à offrir une solution de remplacement crédible à ceux qui ne voulaient pas de Sarkozy et à ceux qui ne voulaient pas de Juppé, ça faisait du monde. François Fillon séduit, et cette remontée commence à inquiéter ses adversaires. Une indiscrétion le prouve à 5 jours du premier tour. C'est un échange entre l'organisateur de cette élection et le sénateur Roger Carucci. Roger Carucci, qui est un proche de Nicolas Sarkozy, apprend devant moi là, un sondage
encore sur les primaires où François Fillon explose les compteurs. Fillon, 25. Sarkozy 25. Égalité. Je fais 30. Je suis de 9. Allô. Il est dépité, parce que c'est vrai que chez les sarkozystes, chez les juppéistes aussi d'ailleurs, c'est un peu la gueule de bois, ils disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Les équipes Sarko étaient obnubilées par Juppé. Les équipes Juppé étaient obnubilées par Sarko. Et donc on s'est quelque part tapé dessus, et on n'imagine pas un seul instant que par ricochet ça va bénéficier au troisième homme, qui est François Fillon. Ça va lui donner des ailes, hein, même si... Bon, je n'arrive pas à le voir passer. En termes de sondage, la courbe commence réellement à grimper. Il ne devient plus le quatrième, le troisième homme. Il commence à se placer très sérieusement en challenger potentiel pour Nicolas Sarkozy et pour Alain Juppé. Ça s'appelle en politique la stratégie de mine de rien. Mine de rien, il avance. Et mine de rien, il va finir dans le sprint final. Un métier. Oh, bah, sincèrement. Allez, s'il vous plaît. Quatre jours avant la désignation des deux finalistes de la primaire de droite, c'est l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, Emmanuel Macron, qui vient jouer les troubles faites. Mesdames, messieurs, merci d'être là aujourd'hui, ce matin. Et c'est une étape importante que nous allons franchir et que depuis plusieurs mois nous préparons. Nous sommes surpris par la candidature d'Emmanuel Macron. On trouve que c'est quand même pas le profil idéal du candidat. Donc tout ceci apparaît comme spectaculaire, mais pas forcément déterminant. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois plus que tout que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. J'étais pas emballé par la décision de Macron, parce que il était clair aux yeux de tout le monde, et au mien encore davantage, que c'était sur mon terrain qu'il s'installait. C'est jamais très agréable, et donc j'étais en situation de réticence assez forte. Je suis en effet intimement convaincu que c'est en affrontant la réalité du monde que nous pourrons retrouver dans notre pays de l'espérance. Et c'est au fond notre défi aujourd'hui. Je pense à ce moment-là que le plus grand risque, c'est que ça soit une candidature supplémentaire de division face à celle du Parti Socialiste. Et que le risque, c'est que tout le monde s'annule. François Hollande avait donné la consigne à son entourage de ne pas provoquer Emmanuel Macron. Parce qu'il espérait pouvoir, à un moment donné, avoir une discussion avec lui. Bon, et il est surpris par la précipitation de cette annonce. Il avait noué avec Emmanuel Macron une relation particulière, une relation de confiance, mais aussi d'amitié. Je crois qu'Emmanuel Macron avait su séduire, charmer. Après la gauche, la droite, et ainsi de suite, parce que on l'a toujours fait de la sorte. Avec les mêmes visages, les mêmes hommes depuis tant d'années. Ils ont eu une discussion tous les deux, Hollande et Macron. Et Hollande a dit à Macron, mais tu n'as aucun espace. Si tu fais 10%, ce sera déjà énorme. Et en plus, tu vas couler ton camp. Tu n'as jamais été élu. François Hollande, il est de la culture du parti. Il a été longtemps premier secrétaire du Parti Socialiste. Pour lui, on ne surgit pas de nulle part comme cela pour être candidat à la présidentielle. Pour lui, ce n'est pas possible. L'enjeu n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la gauche. Il n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la droite. L'enjeu est de rassembler les Français. François Hollande n'a pas compris. Il y avait une espérance, une envie en France de rajeunissement, de quitter cette espèce d'univers bipolaire, droite-gauche. Il ne l'a pas senti du tout. Il dit qu'il faut à tout prix y aller, qu'il ne faut pas laisser la place à cette espèce de jeune impertinent qui s'imagine qu'en claquant des doigts, il va gagner une élection présidentielle alors que lui, ça lui a pris des années à gravir les marches du Parti Socialiste. Beaucoup pensaient que Emmanuel Macron, à un moment donné ou à un autre, reviendrait derrière une candidature du président de la République. Vive la République et vive la France. Merci à vous. Monsieur Macron. Monsieur Macron.
Des confidences forcément controversées, une majorité divisée, et Emmanuel Macron, celui qui l'a initié à la politique, devenu candidat. Malgré l'accumulation des obstacles, François Hollande peut-il encore croire en ses chances? La droite, elle, est focalisée sur la première primaire de son histoire. Quelle sera la participation et de quelle manière influencera-t-elle le résultat? Le vainqueur pourrait se retrouver face à Marine Le Pen, la présidente du Front National, dopée par un événement international. L'élection du nouveau président américain. Thomas, la seule personnalité politique qui souhaitait la victoire de Donald Trump, c'est Marine Le Pen. Bien sûr, c'est elle qui se réjouit et qui peut avoir le sentiment d'être dans le sens de l'histoire, de représenter la surprise suivante, la suite logique après le Brexit et Trump. C'est la confirmation qu'il y a la volonté de plus de protectionnisme, de plus de défense de l'identité des nations. Et ça se révélera être vrai dans toute une série de pays européens. L'élection de Trump soulève un couvercle. Cette élection, elle est subie par le système médiatique comme un affront. Comment ce qu'on voulait ne s'est pas produit? Quand nous on voit ça, on se dit bon bah tout est possible. Tout est possible parce que c'est quelqu'un qui a des idées un petit peu anticonformistes. C'est quelqu'un qui a une personnalité un peu particulière. On partage pas tout d'ailleurs, hein, pour être très honnête. Mais pour autant, on se dit oui, il y a des choses qui sont en train de bouger et les opinions publiques sont en mouvement. Elle le sent, elle le voit et elle commence sa campagne sous le parapluie de Donald Trump, qui fait d'ailleurs un interview et qui dit la prochaine présidente de la France, c'est Marine Le Pen. À ce stade de la campagne, l'obsession des sondeurs est de cerner le candidat capable de battre la présidente du Front National. Et c'est peut-être la primaire de droite qui pourrait le révéler. Parmi les candidats, François Fillon est le premier à voter dans un bureau du 7e arrondissement de Paris. Au même moment, Alain Juppé attend son tour à Bordeaux, en compagnie de son épouse. J'étais à peu près convaincu qu'on sortirait avec 10 points d'avance sur soit Nicolas Sarkozy, soit François Fillon. Merci, monsieur. Nicolas Sarkozy, lui, s'exprime dans une école du 16e arrondissement. L'ancien chef de l'État affiche une mine plutôt sereine. J'ai Nicolas au téléphone pendant ce week-end, bien sûr, et je pense qu'il est très interrogatif. Il ne peut pas percevoir quel sera le résultat. C'était du nombre de votants qui allait donner le résultat. S'il y avait beaucoup de monde, c'était bon pour Alain Juppé. Si c'était une petite primaire, c'était bon pour Nicolas Sarkozy. À voter. Alain Juppé face à Nicolas Sarkozy. Voilà le duel envisagé avant le vote. Le jour même, les Républicains ne sont plus sûrs de rien face à l'ampleur du nombre d'électeurs. À Paris, j'ai des queues d'un kilomètre dans le 16e arrondissement. Et puis j'ai les bureaux de vote de province qui me remontent. On a commencé dans la journée, effectivement, à être un peu inquiet de cette importante mobilisation. Bonsoir Yves. Bonsoir. Les électeurs se sont fortement mobilisés pour la primaire de la droite et du centre. Dans les bureaux de vote, on a vu de longues files d'attente. Qui seront les deux qualifiés du second tour? Résultat dans la soirée. Lorsque Nicolas Sarkozy rejoint son quartier général, le vote se poursuit dans les grandes villes. Dans son camp, on se pose une série de questions. Est-ce que les sondeurs se sont plantés? Est-ce que c'est les médias qui, tout à coup, se sont emballés autour de François Fillon? Il y a des interrogations, hein. Il y a de l'inquiétude autour de Sarkozy. Plus tard dans la soirée, le candidat appelle l'organisateur de la primaire pour connaître les premières tendances. Quand m'arrive les premiers résultats dans les départements, c'est impressionnant. Vous avez des endroits entiers où François Fillon fait 70% des voix. François Fillon, il était en tête à Nice, à Neuilly, et à Bordeaux, je crois aussi, presque. Imaginer jusqu'au dernier moment qu'il allait doubler Juppé était quand même être un peu osé. Si la qualification de François Fillon ne fait plus aucun doute, on ne connaît toujours pas le nom de son adversaire. La question qu'il a, Nicolas Sarkozy, c'est est-ce qu'il va être deuxième ou est-ce qu'il va être troisième? C'est la question, à chaque fois que je l'ai dans la soirée, qu'il me demande. En sachant que j'ai pas les grandes villes, c'est là où il y aura le plus de monde, donc ça peut tout changer.
Mesdames, messieurs, je vais vous donner les premiers résultats provisoires. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. On a tout de suite compris qu'il serait plus qu'hypothétique que Nicolas Sarkozy puisse être présent au second tour. J'étais à la fois impressionné par sa maîtrise, il faut être en contrôle. C'est jamais facile d'accepter, d'accueillir et de subir une défaite, d'autant qu'il savait aussi que c'était la fin de sa vie politique. C'est pas rien, c'est pas n'importe quel soir pour Nicolas Sarkozy. C'est la sortie par la petite porte. C'est quasiment le pire des scénarios pour Nicolas Sarkozy. Perdre dès le premier tour, c'est l'humiliation pour un ancien président de la République. Très vite, la défaite est confirmée pour l'ancien président. Et celui-ci réfléchit maintenant à son discours de sortie et à une possible consigne de vote. À ce moment-là, certains dans le camp de Sarkozy, une minorité, lui conseillent de ne soutenir personne. Ils sont partagés autour de lui. Il y a une partie qui va soutenir François Fillon de manière claire et nette. D'abord parce que Fillon avait tellement creusé l'écart de manière si spectaculaire qu'il était acquis que Fillon serait élu. Nicolas Sarkozy a toutefois du mal à apporter un soutien total à son ancien Premier ministre, qu'il a souvent durement attaqué durant la campagne. Sarkozy écrit un premier jet dans lequel il parle de différents personnels, et je crois que la phrase exacte était « je soutiens Fillon malgré nos différents personnels ». Et à ce moment-là, plusieurs de ses collaborateurs interviennent parce que soit il sortait effectivement un homme qui n'hésite pas une seule seconde et apporte son soutien à un candidat, soit il allait encore passer pour celui qui règle ses comptes, qui est revanchard. Donc la phrase est modifiée et Sarkozy choisit l'expression « désaccord passé ». J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé. Mais les choix politiques de François Fillon me sont plus proches. L'idée que je me fais de mon devoir est de dire avec franchise, avec clarté, avec loyauté, que quels que soient mes désaccords passés avec lui, François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. Il a tourné une page, c'était une page de l'histoire de la droite, bien sûr, une page de l'histoire de notre pays, un ancien chef d'État que l'on ne verra plus en responsabilité, et puis une page personnelle essentielle puisqu'il a consacré l'immense majorité de sa vie professionnelle au service du pays. Je n'ai aucune amertume, je n'ai aucune tristesse et je souhaite le meilleur pour mon pays, pour vous, mes chers compatriotes, et pour celui qui aura à conduire ce pays que j'aime tant. Au revoir à tous. Alain Juppé est lui aussi déstabilisé. Ce ralliement de Nicolas Sarkozy à son adversaire et sa contre-performance au premier tour lui pose un cas de conscience. La claque était forte et Alain Juppé a pu se dire à un moment, est-ce que finalement c'est pas plus fort de permettre à Fillon d'être quelque part élu dès le premier tour? Parce qu'on savait qu'il allait gagner. Alain Juppé a été tenté de se retirer. Et je lui dis, tu peux pas faire ça. Quand on mène un combat comme celui-là, quand on défend des choses comme tu les as défendues, tu ne peux pas te retirer, il faut mener le combat. Pas parce qu'on est quasiment certain d'avoir perdu qu'il ne faut pas faire le second tour. Il y avait les troupes qui s'étaient battues pour lui. Il fallait respecter tous ceux qui s'étaient battus pour lui pendant des mois, des semaines. C'était même rendre service à sa famille politique, ne pas abandonner entre les deux tours. J'ai décidé de continuer le combat. Ce premier tour constitue une surprise. Dimanche prochain, si vous le voulez comme je le veux, sera une autre surprise. Et là, il assume cette situation. Il est sans illusion, mais comme toujours, il est droit devant ses bottes. En mobilisant plus de 4 millions d'électeurs,
cette élection interne à droite a déjoué tous les pronostics des sondeurs. Ne donne-t-elle pas là le premier signal d'une envie profonde de renouveau? À l'Élysée, François Hollande n'avait pas imaginé la chute de celui qu'il pensait affronter, Nicolas Sarkozy. Passé l'effet de surprise, il se dit que ce scénario n'est peut-être pas si mauvais pour lui. Avec le programme de Fillon, extrêmement violent hein, dans son contenu, il l'a dit souvent, Fillon est battable, Fillon est battable. En fait, la droite se choisissait un candidat qui était au cœur de l'ADN de la droite, c'est-à-dire conservateur, libéral. C'était un adversaire, quelque part, idéal pour la gauche. L'entourage du président se veut d'autant plus optimiste qu'une bonne nouvelle arrive enfin. Les chiffres du chômage sont en baisse. Je lui ai dit, voilà, la condition nécessaire qui était la baisse du chômage est remplie. Et là, il m'a répondu, je m'en souviendrai toute ma vie, il m'a dit, tu sais très bien, Gaspard, que ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est le rassemblement de la gauche. Si la gauche n'est pas capable de se rassembler, rien ne me sert d'être candidat. Il sera impossible de l'emporter. Le président est d'autant plus isolé que son premier ministre ne fait rien pour apaiser la situation, bien au contraire. Manuel Valls déclenche les hostilités le 27 novembre 2016. Dans un entretien au Journal du Dimanche, il se dit prêt à affronter le président lors de la primaire de la gauche. Je considère que François Hollande ne peut pas être candidat. C'est ce que je ressens, je le ressens. C'est pas une volonté de l'écarter, c'est parce qu'il ne peut pas l'être. Chacun doit mener ses réflexions en responsabilité. Je prendrai ma décision en conscience, c'est une question de jour. Manuel Valls a fait cette interview sans demander l'avis de quiconque. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'il est regrettable que nous n'en ayons pas parlé ensemble, parce que si nous en avions parlé ensemble et collectivement, nous aurions essayé de le protéger de cette interview. Mais je n'ai pas eu à le dire, puisqu'on ne m'a pas demandé mon avis. Et sans doute estimait-il qu'il n'était pas nécessaire de me le demander. Quand François Hollande découvre l'intégralité de l'interview de Manuel Valls, il est quand même très remonté. Qu'un Premier ministre en exercice puisse s'en prendre de cette manière-là au président de la République, porter atteinte au bon fonctionnement de l'État. François Hollande hésite même, disant comment je vais réagir, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je change de gouvernement, mais à quoi ça sert de changer de gouvernement ? Un Premier ministre ambitieux, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon qui rêvent de le destituer, et Emmanuel Macron déterminé à aller jusqu'au bout, le chef de l'État a-t-il encore une carte à jouer dans cet espace politique saturé ? François Fillon, plébiscité hier au second tour de la primaire de la droite et du centre. Il recueille plus de 2/3 des voix face à Alain Juppé sur près de 4,5 millions de votants, encore mieux que la semaine dernière. Un score sans appel. Le lendemain de sa déclaration de guerre, Manuel Valls est attendu à l'Élysée. À l'occasion de leur entretien hebdomadaire, il est déterminé à maintenir la pression sur le chef de l'État. Il s'en est d'ailleurs ouvert au patron du Parti socialiste le matin même. Manuel Valls me dit, François n'imprime pas, il ne se rend pas compte qu'il est dans une situation extrêmement difficile. Je pense que Manuel Valls vient à l'Élysée en se disant qu'il démissionnera juste après. François Hollande et son Premier ministre se retrouvent donc en tête-à-tête au premier étage du palais. Je trouve un président de la République, non pas abattu, parce que ce n'est pas le caractère de François Hollande, mais triste. Je vois qu'il est dans une réflexion, dans une forme de souffrance. Mais le chef de l'État n'a pas l'intention de se laisser dicter sa conduite apparemment. Il commence d'emblée par une mise au point. Premièrement, rien n'est plus important que le maintien de l'unité exécutive. Donc, si nous avons des choses à nous dire, on se les dit en privé et pas dans les journaux.
Et moi, je lui redis la même chose. Je lui dis que sa candidature m'a l'air d'être plus que compromise. Et nous tournons autour du pot, il y a des silences, c'est une discussion difficile. C'est un face-à-face qui est un poker menteur. Ce qu'il me demande, et c'est, bien sûr je l'accepte, c'est que nous publions un communiqué où je dis clairement que le président de la République et le Premier ministre ne pourront jamais s'affronter dans une primaire, dans acte. Et il me dit, je vais parler cette semaine et d'ici là, je te demande de ne pas t'exprimer sur ces questions. Il ne m'a jamais dit, je ne serai pas candidat. Mais parfois, et comme dans l'amour, hein, ou dans une relation personnelle, mais peut-être parfois il vaut mieux ne pas les dire parce qu'on n'arrive pas à les dire. À l'issue de ce rendez-vous, les deux hommes ne laisseront rien filtrer de leur entretien. Un terrain d'entente semble avoir été trouvé. La crise a finalement été évitée. Trois jours après ce déjeuner, François Hollande a cette fois pris sa décision. Ce 1er décembre, en fin de matinée, il convoque l'un de ses conseillers politiques dans le salon doré. Il dit, voilà, j'ai rédigé mon texte, je vais te le lire, quoi. Et en fait, on fait plusieurs relectures. Je le chronomètre parce qu'il voulait absolument que ça dure moins de 10 minutes. Il a eu la brièveté qu'il souhaitait. Jusqu'au dernier moment, le chef de l'État veut maintenir le secret absolu sur sa décision. Pas question de donner la moindre indication. Il voulait maîtriser la communication, quoi. Qu'il y ait un effet de surprise, quoi. Dans l'après-midi, il demande à son conseiller en communication de prévenir la presse qu'il s'exprimera en direct à la télévision à 20h. Il est extrêmement concentré, totalement dans la préparation de son allocution. Je ressens beaucoup de gravité et je sens qu'il a quelque part hâte d'en finir avec cette allocution. Juste après que François Hollande ait quitté son bureau pour aller dans le studio, je passe à son secrétariat et ses secrétaires disent « Ah, Vincent, le président a l'air d'être en forme, du genre, ça y est, il y va. » Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, au moment où je m'exprime, les comptes publics sont assainis, la sécurité sociale est à l'équilibre et la dette du pays a été préservée. Dans les 5 premières minutes, il défend ce qu'il a fait, son action, il en tire quelques grandes lignes et il a l'air de vouloir y aller. On discute les uns les autres, les uns pensant qu'il y va, qu'il n'y va pas. Moi, je dis qu'il y va quand même. Mais bon, on ne sait pas. Je pense jusqu'au bout qu'il va annoncer sa candidature. Je n'arrive pas à croire qu'un président de la République sortant puisse ne pas aller à l'élection. Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation. Et puis, on a tous eu la même réaction. La tonalité a changé, et on le connaît quand même, on le voyait à l'écran. Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. L'instant est historique. C'est la première fois sous la Ve République qu'un président en exercice renonce à sa propre succession. Pour nous et pour d'autres, pour moi-même, tout d'un coup, nous étions politiquement orphelins. Son retrait comme ça participait aussi à l'effondrement et à la confirmation que la crise du PS allait s'accélérer. Je me dis que c'est décidément très, très mal parti. Je ne vois pas comment on va être capable de rebondir. Je tenais ici à vous en faire part directement, comme je m'y étais engagé. Vive la République et vive la France.
après cette allocution. Il m'a juste dit « c'est fait, maintenant ». Je l'ai senti incroyablement soulagé à ce moment-là, comme s'il avait déposé un sac de pierre, un sac trop lourd pour son dos par terre et qu'il pouvait marcher librement à nouveau. Sa formule, c'est « tout va aller vite maintenant, car je crois que Manuel va être candidat ». Quatre jours après le renoncement de François Hollande, Manuel Valls annonce sa candidature à la primaire de gauche qu'il pense pouvoir remporter. Nombre de candidats sont déjà déclarés et l'on connaît aussi deux grands absents, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui refusent tous deux de se fondre dans ce piège. À droite, les Républicains ont déjà leur candidat, mais la désignation de François Fillon ne fait pas que des heureux au sein du parti. Depuis sa défaite à la primaire de la droite, Nicolas Sarkozy a décidé de ne plus intervenir publiquement. En vacances, en Thaïlande, il n'a toutefois pas renoncé à son pouvoir d'influence. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Des appels de son plus proche entourage, notamment l'ami depuis toujours Brice Hortefeux, qui se plaignent du comportement de François Fillon. Brice, tu n'as rien à craindre. S'il y en a deux que je protégerai, c'est toi et Pechnard. Je verrai Fillon à mon retour. Il sait ce qu'il me doit. Les sarkozystes craignent, au lendemain de l'élection de François Fillon, évidemment, de disparaître, d'être complètement dissous dans le fillonisme. Dans le camp Fillon, ils ont voulu, peut-être un peu trop, conserver cette victoire pour eux-mêmes. Son staff de campagne avait manifestement exclu des sarkozystes. Il n'y a pas eu cette intelligence de rassembler tout de suite toutes les sensibilités. Une partie des soutiens de Nicolas Sarkozy commettent la maladresse de dire à François Fillon « il faudrait que tu adoucisses ton projet ». Ça, François Fillon est convaincu que s'il fait ça, il est mort. Il est convaincu que les hommes, le cœur de l'électeur à droite va se dire « décidément, il est comme les autres ». Il n'y a rien à attendre. Et ça, ça explique peut-être le fait que François Fillon n'a pas souhaité s'afficher de manière trop intense en proximité avec Nicolas Sarkozy ou avec ses soutiens. Les propos rassurants de Nicolas Sarkozy n'empêchent pas les premières têtes de tomber. Il y a d'abord celle de Frédéric Pechnard, le directeur général des Républicains, puis celle de Laurent Wauquiez, le président du parti par intérim. Nicolas Sarkozy, il fulmine, il n'est pas content du tout, il se sent insulté, dénigré par ce François Fillon qui n'en fait qu'à sa tête. Nicolas Sarkozy a assez peu de pouvoir sur François Fillon. François Fillon, c'est celui qui a été son premier ministre, qui a souvent souffert sous Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Et là, il prend sa revanche, il est numéro 1, il a remporté la primaire. Et donc, il se sent fort et ne doit rien à personne. Pendant que la droite peine à mettre fin aux tensions qui émergent, un outsider trace sa route, loin des intrigues d'appareil. Ce 10 décembre 2016, les militants d'En Marche sont rassemblés porte de Versailles. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que nous sommes seuls? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes prêts à changer la France? Le rendez-vous de la porte de Versailles, nous n'avons affrété ni car ni train. Chacune et chacun venait par ses propres moyens et nous nous sommes retrouvés pas loin de 15 000. Il fait vraiment venir du monde. Un vrai public, des personnes intéressées qui viennent à ces meetings et pas des personnes dont on a organisé le déplacement. Et là, psychologiquement, sur ses adversaires, il marque vraiment un énorme point. Il est capable de faire ça. Aujourd'hui, nous devons oser à nouveau rêver à l'Europe parce que c'est notre bouclier. Nous devons aussi retrouver un peu du rêve de Schuman et de cette Europe de la défense. Nous devons un peu retrouver de cette volonté d'aller de l'avant. Le meeting sidère à la fois les responsables politiques qui peinaient à mettre quelques centaines de personnes dans leur réunion publique, sidère aussi les médias, qui là se rendent compte enfin que ceux qui n'ont jamais prévu pourraient peut-être finir par arriver. À partir de ce jour-là, on le regarde différemment, on se rend compte qu'En Marche est quand même un mouvement solide qui parvient à agréger de plus en plus de monde. On est passé de la
tentation Macron dans ces milieux-là à l'ambition Macron. C'est-à-dire qu'ils en ont eu envie. On n'arrive pas à croire que quelqu'un qui est ministre depuis 2 ans, qui a démissionné depuis 6 mois, va pouvoir damer le pion à l'ensemble des appareils politiques. Donc moi, je le vois monter, mais je ne suis pas sûr de voir venir. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Je voyais bien que le paysage pouvait basculer et que ça dépendait de moi. Si on s'allie, Macron et moi, on fait sauter la banque. Avec cette démonstration de force, Emmanuel Macron s'ancre plus que jamais dans la course à la présidentielle. Alors que l'ancien ministre de l'économie incarne le renouveau, paradoxalement, Manuel Valls a du mal à porter un nouvel espoir à gauche. Cette campagne, elle est très très dure pour Manuel Valls. Ses gestes particulièrement violents donnent l'impression qu'il y a un mouvement de rejet de sa candidature. Manuel Valls se devait de réfléchir au fait qu'il savait qu'une partie de la gauche n'allait pas spontanément le soutenir, qu'elle avait été fracturée par les thèmes identitaires tels qu'il les avait défendus, par une pratique qui avait été discutée, notamment par l'utilisation du 49-3. Il y avait quand même eu ce choc qu'avait constitué la loi El Khomri, qui était un coup porté contre le Code du travail, mais tout le monde comprenait bien qu'il y avait là quelque chose qui était incroyable. Il allait plus loin même que la droite, que ce que Nicolas Sarkozy avait fait. C'était la farine sans gluten, et donc du coup, j'apprécie l'attention. C'est les joies de la campagne. Quand il est candidat, il est l'homme du bilan, il n'est pas l'homme d'un projet. Soit je suis en rupture avec le bilan, j'étais premier ministre et ministre, je ne peux pas le faire, soit j'assume totalement le bilan, je commets une erreur, une faute, qui est d'essayer de modifier ma position sur le fameux 49-3. Donc je sens que je perds, comment dire, une forme d'équilibre. François Hollande dit d'ailleurs qu'il a pris la place du mort. C'est-à-dire que c'était finalement la campagne dans laquelle il ne fallait pas aller. J'ai été choisi personnalité politique de l'année. Et je pense surtout, et je l'espère, être choisi personnalité politique de l'année en 2017, directement par les Français. C'est ça qui m'intéresse. Salut. Dans cette campagne où rien ne se passe décidément comme prévu, les favoris des sondages n'ont jamais été autant menacés. Manuel Valls échappera-t-il à cette nouvelle règle ? Pendant un peu plus de 2 heures, ces 7 candidats répondront aux questions que nous leur poserons et que vous leur adresserez sur leur programme et sur leur... 3 semaines plus tard, les candidats à la primaire de la gauche ouvrent le bal d'une semaine de débats télévisés, sans les mêmes succès d'audience que pour la droite. Parmi les téléspectateurs absents, il en est un que l'on remarque plus, bien sûr. C'est le chef de l'État, qui préfère s'afficher au théâtre le soir du 2e débat. La réalité, c'est que François Hollande, une fois qu'il a décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, a décidé de se tenir à distance de tous les appareils partisans. C'est un choc pour lui de ne pas être candidat, c'est un choc de voir une présidentielle se dérouler sans sa présence. Donc il est de mauvaise humeur. En tous les cas, il n'a pas envie de faire de cadeaux. Il s'échappe de cette affaire. En plus, il pense que ça ne sera pas positif en finale. Il veut montrer un certain détachement en disant « Bah, vous êtes passé de moi, hein, alors vous n'allez pas maintenant tout de suite venir me supplier d'être discipliné et d'être derrière vous. Voilà, faites votre vie, moi je fais la mienne. » François Hollande ne participera pas au vote qui place largement en tête Benoît Hamon face à Manuel Valls. La désignation du candidat socialiste n'est pas un sujet de préoccupation dans le camp de François Fillon. Le 24 janvier, au QG de campagne du candidat des Républicains, on se réjouit de le voir mettre fin à une longue absence. Une absence qui s'est traduite par un recul dans les sondages.
C'est vrai qu'après avoir obtenu un succès qu'il a projeté en pleine lumière, au fond, il disparaît un peu des écrans radars à partir de début décembre. François Fillon succombe aux délices de Val d'Isère. Il part au ski. Et après être parti une bonne semaine au ski, ensuite il enchaîne pour les fêtes de fin d'année sur des vacances en famille dans la Sarthe. Et d'ailleurs, il y a une partie de nos troupes qui s'inquiète en disant « on n'entend plus François Fillon, etc. » Pour marquer ce retour et remobiliser les troupes, un moment convivial est organisé autour du candidat en fin de journée. C'était pour l'ensemble de l'équipe à la fois rassurant et stimulant. Il est 17h30, 18h. On fait une galette des rois. Toutes les fèves dans les galettes, c'est des petits chats noirs. Je me suis dit, c'est bizarre, un chat noir, c'est quand même pas bon signe. Il y a mon téléphone qui vibre de partout, alors je ne décroche pas, je suis pas tranquille. Et quand je reprends mon téléphone, j'ai 642 SMS, parce que le canard enchaîné vient de sortir. La veille de sa vente en kiosque, l'hebdomadaire satirique est déjà dans les rédactions. Et il contient une information explosive. François Fillon aurait fait financer par l'Assemblée l'emploi fictif de son épouse pendant plusieurs années. Personne n'était au courant que des journalistes enquêtaient, sauf le principal intéressé. Ce soir-là, j'ignore complètement que François Fillon avait pu être averti dès le milieu du mois de décembre que le canard enchaîné posait des questions. Donc pour moi, c'est en effet une affaire qui nous tombe dessus. Je ne prends sans doute pas toute la mesure de cette affaire le premier soir. Plus tôt dans la journée, son service de communication a informé François Fillon de la publication de l'article. Au moment où j'ai appris cette publication, Le Balcanard, je suis avec François Fillon et je pose immédiatement la question quels sont les éléments de réponse à apporter. Et je n'ai pas eu en retour des éléments qui étaient de nature à me rassurer sur les conséquences potentielles de ces révélations. François Fillon, c'est quelqu'un qui a beaucoup, à la fois beaucoup de sang-froid, beaucoup de flegme, donc rien dans son attitude ne permet de deviner qu'il soit particulièrement inquiet. Le lendemain, jour de la parution officielle de l'hebdomadaire, François Fillon est en déplacement à Bordeaux. Il va alors s'exprimer pour la première fois sur ses révélations. Alors, monsieur Fillon, comment réagissez-vous aux révélations du canard enchaîné ? Est-ce qu'il y a eu emploi fictif concernant votre épouse Pénélope ? Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne fais pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Tout le monde sent assez vite que ça va aller très mal. Et on pense tous très vite que le niveau de réaction de François Fillon n'est pas au niveau de l'attaque. Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous devez savoir si elle a réellement travaillé, M. Fillon. Il n'a pas apporté la moindre justification ou le moindre démenti. Je pense qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'irrégularité, pas de malhonnêteté, et que par conséquent, il n'a rien à se reprocher. Ce qui m'a frappé, c'est l'incapacité de réaliser d'une part la gravité de ce qui s'annonçait, et d'autre part, un système de défense, mais totalement à côté de la plaque. Le statut d'homme intègre mis en avant par François Fillon depuis le début de sa campagne est en train de vaciller. Dans les heures qui suivent, le parquet national financier se saisit du dossier. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Face à une affaire qui prend une tournure judiciaire, le candidat de la droite n'a d'autre choix que de venir s'expliquer à la télévision. Mais il n'y a pas le moindre doute. Mon épouse a travaillé comme collaboratrice parlementaire pour moi pendant des années. Et le travail qu'elle a fait, et d'ailleurs on voit bien qu'il y a une tentative pour essayer, de la part d'officines, de la part de groupes extérieurs, de se mêler du travail parlementaire, de la fonction
des assistants parlementaires. L'idée, tout de suite, est lancée du complot. Le complot. Le coup d'État institutionnel. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de coup d'État institutionnel. François Fillon tente de désamorcer la crise. Et à la fin de l'entretien, au bout de 9 minutes, il se montre confiant et rassurant sur l'issue de l'affaire. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. On imagine que cette phrase-là a été pesée, que cette phrase-là a été décidée, assumée, qu'elle ne vient pas comme ça, et qu'évidemment, elle sera respectée. Et donc à ce moment-là, cette phrase pour nous est plutôt une bonne chose. Parce que quelque part, c'est une forme de garantie. Vous voyez bien que je suis innocent, parce que si j'ai un pépin, j'arrête. C'est ça, le message qui passe. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi. Ça n'est pas le cas. Moi, sur le coup, je ne vois pas que cette phrase va revenir en boomerang dans la figure de François Fillon, parce qu'au fond, je suis convaincu, et j'ai tort, je suis convaincu que l'instruction judiciaire va prendre du temps. Et que les juges, ils n'oseront pas mettre François Fillon en examen. Il faut être très naïf d'imaginer que la justice, dans ce contexte, puisse se satisfaire exclusivement de ses interprétations à la télévision. Il faut être très naïf pour candidat de la droite aux 20h, dire « si je suis mis en examen, j'arrêterai ». Parce que tous ceux qui veulent le faire tomber, et il y avait quand même beaucoup de gens qui ne voulaient pas que la droite revienne au pouvoir, avait un intérêt à créer les conditions de sa mise en examen. Je pense que le 20h lui a mis la corde autour du cou, qu'il s'est placé lui-même et il a serré l'écran lui-même avec cette phrase. Vous n'avez aucun regret. Vous ne vous dites pas « j'ai usé ou abusé d'un système certes légal, mais qui était un peu bancal, j'aurais dû m'abstenir ». Non, je n'ai pas de regret parce que le travail qui a été fourni est un travail effectif et j'ai envie de vous dire que sans ce travail, sans cette collaboration de mon épouse, je pense que je ne serais pas où je suis, que je n'aurais pas réalisé le parcours politique qui m'a conduit un jour à être en mesure d'être candidat à l'élection présidentielle. Alors que l'étau se resserre autour de François Fillon, les électeurs socialistes s'apprêtent à adouber leur nouveau champion, comme le gagnant de la primaire à droite, Benoît Hamon, est le troisième homme qui a fait tomber les favoris. Mais sera-t-il capable et a-t-il vraiment l'ambition de réconcilier les différents courants du Parti socialiste, en proie à des luttes intestines depuis si longtemps? Ce 29 janvier, les soutiens de Benoît Hamon accueillent leur champion à la Mutualité à Paris. Il est le vainqueur inattendu de cette troisième primaire de la gauche, une élection qui a mobilisé près de 2 millions d'électeurs au second tour. C'est plus que ce que nous disaient les commentateurs, mais c'est beaucoup moins que ce que nous avions fait en 2012. Donc ce n'était pas excellent. Hamon, il a un peu séduit cet électorat qui était un peu fâché avec Hollande. Plus jeune, il a axé sur son revenu universel qui a séduit un certain nombre de gens, etc. Mais bon, qui n'était pas dans la culture socialiste. Je mesure, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, avec gravité et lucidité, la responsabilité que vous m'avez confiée ce soir. Je mesure votre confiance, elle n'est pas un poids, elle est un élan. Le parti pris qui a été le mien, c'est justement de proposer de ne pas faire l'inventaire du quinquennat. Mon objectif, ce n'était pas finalement de surfer sur une vague de mécontentement dont on savait qu'elle existait, mais c'était de proposer des pistes à moyen et même très long terme, de renouer avec une forme d'utopie au sens un idéal vers lequel on marche. J'aurai l'honneur de pouvoir incarner, après François Mitterrand, Lionel Jospin, Ségolène Royal et François Hollande, vos attentes de progrès, vos espoirs de justice, et je veux en tracer les chemins nouveaux. J'imagine encore à ce moment-là qu'il va essayer de rassembler, de se recentrer. Je suis très sceptique parce que je pense que sa ligne est mortelle pour le Parti Socialiste. Beaucoup de socialistes, dont moi-même. Je ne peux pas soutenir quelqu'un, et nous sommes nombreux, qui a voulu renverser le gouvernement nommé par François Hollande. Donc provoquer des élections législatives et ramener la droite au pouvoir. C'est ça que ça voulait dire. L'union est pourtant l'image recherchée ce soir-là, même si elle est de façade. Le patron du Parti Socialiste a réuni Ruud Solferino, le vainqueur,
et le vaincu, pour une poignée de main amère et symbolique. Et après, nous remontons et je discute avec Benoît Hamon. Et d'emblée, mon leitmotiv, c'est « Tu n'es pas le candidat de la gauche du Parti Socialiste, tu es le candidat issu de la primaire, tu es le candidat des socialistes. Ne te coupe pas du Parti Socialiste. » 4 jours après sa victoire, Benoît Hamon est attendu à l'Élysée. Et cette entrevue avec le chef de l'État suscite bien des questions. Que vient chercher le candidat socialiste auprès d'un président qu'il a si souvent critiqué? C'est une démarche courtoisie. Bon, je ne pense pas qu'il vient chercher un soutien, hein. Ça, je n'imagine pas une seconde. Mais c'est normal, ils appartiennent encore à la même famille politique. Il vient, quelque part, recevoir une reconnaissance parce qu'il a le sentiment d'avoir gagné quelque chose. François Hollande lui a dit dans le bureau présidentiel qu'il avait intérêt à rassembler et à se mettre en dans les dispositions pour gagner. Benoît, t'as quitté le gouvernement, mais t'as quand même été au gouvernement entre 2012 et 2014, t'as voté un certain nombre de textes de loi, et donc les gens ne comprendront pas si ta campagne se fait que contre le gouvernement. Et François Hollande poursuit. D'autant plus que t'as un Jean-Luc Mélenchon qui va être sur ce registre-là. Et donc, c'est un positionnement politique qui est une impasse. On a un échange très agréable. Il me donne d'ailleurs un conseil, je vais garder ça de cet entretien, il me dit « Sois libre, y compris par rapport à tes amis », ce qui est un vrai bon conseil. Je crois que c'est un conseil sincère. Derrière tout cela, l'honnêteté m'a amené à penser que le projet politique que je défendais était si loin de ce qu'il pensait qu'il ne pourrait pas voter pour moi. Les divergences sont clairement trop grandes et les ressentiments trop forts. Ce rendez-vous a lieu simplement pour la forme. Ils sont restés un petit moment ensemble parce que, vous savez, quand les médias sont braqués sur une rencontre comme celle-là, il faut gérer la durée. Si vous avez une rencontre de 10 minutes, vous imaginez les commentaires. Donc il y a eu une durée, je ne sais plus combien, pas loin de 3 quarts d'heure. François Hollande était prêt à leur accompagner sur le perron de l'Élysée, à lui serrer la main, et donc il y a une photo qui pourrait être la photo des retrouvailles, quoi. C'est Benoît Hamon qui refuse. Il ne veut pas cette photo. Si Benoît Hamon ne veut pas de cette photo, c'est pour bien marquer sa différence. Il ne souhaite en aucun cas porter le bilan du quinquennat. Il aurait pu très bien serrer la main en disant « Je serre la main parce que je respecte, il y a des choses qui ont été bien dans ce quinquennat, je les défends, il y a des choses avec lesquelles j'ai marqué des accords, vous le savez, mais je reste un socialiste. » Et c'est là que le message d'unité des socialistes était important. Il n'y a pas de passage de témoin aujourd'hui, il y a une élection présidentielle et un président qui préside jusqu'à l'élection présidentielle. Il y a simplement la volonté de ma part d'échanger sur ce que seront les axes de ma campagne, et ils seront dans la continuité de ce que j'ai défendu. C'était un échange très riche. Benoît Hamon, en sortant de sa rencontre avec le président de la République, a donné le coup d'envoi de sa campagne, qui sera une campagne un peu bizarre, parfois baroque, où il n'est ni le candidat des socialistes, ni le candidat des écologistes, ni le candidat des mélenchonistes. Au fond, il sera le candidat de personne. À peine désigné, l'avenir du candidat socialiste semble déjà bien compromis. Dans les rangs de la droite, la situation est de plus en plus tendue. Ce même jour, François Fillon est en campagne dans les Ardennes. Sa cote de popularité ne cesse de baisser depuis que l'affaire a éclaté. Fillon, voleur, démission ! Ils sont rivales pour que Pénélope aille acheter du pain à la boulangerie, enfoiré ! Chaque fois que François Fillon va sur le terrain, il y a un comité d'accueil avec des gens avec des casseroles qui tapent sur les casseroles, qui crient « François Fillon rend l'argent », enfin, etc. Le candidat sent bien que la situation lui échappe. Pour preuve, la veille de ce déplacement, il a rassemblé à huis clos
200 députés et sénateurs, et il leur a tenu ses propos. Je n'ai rien préparé. Je vais vous parler avec mes tripes et avec mon cœur. Cette opération ne vient pas de chez nous. Elle vient du pouvoir. Elle vient de la gauche. Elle vient de ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner l'élection présidentielle et qui ont choisi un autre terrain que celui de la démocratie. Je n'ai rien fait. Tout ce qui est marqué dans le canard est faux. Si je suis mis en examen, j'arrête. Je ne le serai pas. Vous allez voir, ils vont bien voir qu'il n'y a pas de difficulté. Et en même temps, il nous dit, vous verrez, cette affaire, dans 15 jours, elle sera réglée. Mon innocence sera reconnue. Et il obtient cette confiance sans aucun problème. Il a un soutien par acclamation, il n'y a pas de vote. Il demande la solidarité, il l'obtient. Moi, je suis un peu tétanisé parce que je me dis, faut-il que je rompe cette belle unanimité ? Et je me dis, il faut que je m'exprime, voilà. Isolé dans cette assemblée, le député Georges Fenech, ancien magistrat, se lève et interpelle directement François Fillon. Pourquoi 15 jours ? Que va-t-il se passer pendant ces 15 jours ? Cette affaire ne pourra pas être réglée au bout de 15 jours. Je sais très bien qu'une enquête préliminaire ne dure pas 15 jours, surtout une affaire aussi sensible, aussi importante. Nous allons nous retrouver entre les mains d'un juge. Et le calendrier politique va devoir subir le calendrier judiciaire. Nous allons devenir inaudibles. Il faut, François, que tu prennes une initiative beaucoup plus forte. Voilà ce que j'ai dit ce jour-là. Je me suis retiré, j'allais dire, sur la pointe des pieds, sentant bien que le malaise que je venais de créer. Mais il fallait le dire. À ce moment-là, il n'y avait presque personne qui accompagnait Georges Fenech. Moi-même, d'ailleurs, je lui ai dit, on est dans une phase où on ne peut pas se diviser, se dissocier. Cette parole va pourtant semer le doute parmi ses collègues. L'unité affichée derrière François Fillon pourra-t-elle tenir longtemps ? Du côté de Marine Le Pen, les troupes sont en ordre de bataille. Dans les sondages, le Front National fait toujours la course en tête. Le 5 février, à Lyon, elle tient le premier grand meeting de sa campagne. Contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. On se dit qu'elle peut devenir présidente de la République. En tout cas, elle est prête, ça c'est clair. Tout est possible à ce moment-là et on continue une campagne qui, à mon avis, a été très performante. 11 candidats sont déjà dans la course à la présidentielle. Et celui qui est présent à chaque élection depuis 15 ans n'a toujours rien dit sur ses intentions. Que compte faire François Bayrou? Mon intérêt, mon goût, mon envie, c'était de mener la campagne. Mais ce qui se jouait était beaucoup plus important que mon intérêt, mon goût et mon envie. Chez Emmanuel Macron, il y avait d'abord un renouvellement profond et qu'une majorité centrale qui soit à la fois réaliste et généreuse batte Marine Le Pen, je trouve ça très bien. On sent qu'il faut bien qu'on se voit au moins une fois. Je suis donc allé prendre un petit déjeuner avec lui. François Bayrou ne lui dit pas qu'il va le soutenir pour la présidentielle. Au contraire, il le laisse croire qu'il va être candidat sans l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Il ne dit pas « je suis candidat », il ne dit pas « je me prépare », mais il laisse entendre qu'il a un projet pour la France. C'était une prise de contact. On avait l'un et l'autre la volonté que, quelle que soit la décision que je prendrais, puisque c'était à moi de la prendre, il n'y ait pas d'antagonisme personnel. Et donc, quand François Bayrou s'en va, Emmanuel Macron ne sait pas s'il sera candidat ou pas. Emmanuel Macron va-t-il réussir ce pari de l'alliance indispensable pour redynamiser sa campagne ? François Bayrou fait monter les enchères. Il attend 10 jours avant de rappeler le candidat d'En Marche. Écoutez, je vais formuler une idée. C'est que nous fassions une alliance. Et cette alliance, si on la fait, il y aura 4 exigences. La première, c'était que nous ayons à bâtir un projet social. La deuxième, c'était qu'il y ait une loi de moralisation de la vie publique. Et les 2 autres exigences se tenaient au pluralisme, et notamment au changement des institutions. Ce que ne dit pas François Bayrou, ce sont les 75 circonscriptions qu'il a négociées pour assurer la survie de sa formation politique.
Deux heures après cet accord décisif, il va prendre la parole. Parce que le risque est immense. Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Il a fait un choix, le choix le plus intelligent qu'il pouvait faire, et il a aidé Macron. L'arrivée de Bayrou auprès de Macron est une arrivée qui est sacrément utile, parce qu'elle lui donne de la force, mais surtout parce qu'il y a un flottement à ce moment-là dans la campagne d'Emmanuel Macron. Je lui dis, le danger est trop grand, il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir. C'est sans doute un geste d'abnégation, mais ce sera aussi, je le crois, un geste d'espoir pour notre pays. Au fond, c'est ce qui manquait à l'époque à Macron. Il faisait peu de fautes, mais il en commettait quand même. Il n'était pas encore crédible à ce moment-là pour être président de la République. Le lendemain, c'est devant les caméras que l'union entre les deux hommes est scellée. Je veux donc le remercier très profondément, très sincèrement, du choix qu'il a fait et de la proposition d'alliance, parce que les mots ont une importance, qui a été faite hier. Je l'ai acceptée parce que je pense qu'elle correspond à ce que nous devons faire dans le contexte que le pays traverse. Je comprends que désormais la candidature de Macron prend un tournant très sérieux et que la possibilité qu'il soit élu devient une réalité. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est bien l'alliance de la droite et du centre qui aura permis à nos familles politiques de gagner la présidentielle. C'est toujours cette alliance qui a gagné. Une alliance qui se traduit aussitôt par une remontée d'Emmanuel Macron dans les sondages. À gauche, certains militants rêvent aussi de cette candidature unique. Mais le dialogue semble impossible entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Quand Benoît Hamon est désigné candidat et qu'il dit qu'il va s'adresser à nous, plus aucun message, plus rien. Il faut voir dans quelle ambiance il évoluait, moi je le savais. Alors les autres le trahissaient tous les jours, il y en avait un qui s'en allait. Ils passaient tous pour des gens à double face, parce que certains se sauvaient chez Macron. Il écrit une lettre à Benoît Hamon de 3-4 pages en disant « Rencontrons-nous, on met les conditions politiques à lesquelles on pourrait discuter. On met du contenu politique à cette rencontre. » Cette lettre, nous l'avons envoyée à Benoît Hamon, elle n'a jamais eu de réponse écrite. Vous prenez de haut, quoi. Les sondages le mettaient en tête et nous devions juste avoir la bonne grâce de nous rallier à lui le plus rapidement possible. Les deux hommes ont bien compris qu'ils devaient clarifier la situation. Jean-Luc Mélenchon donne rendez-vous à Benoît Hamon dans un restaurant chilien du 19e arrondissement. Le 24 février a donc lieu la première rencontre entre les deux hommes depuis le début de la campagne. J'ai dû manger quelques empanadas, moi aussi, boire un verre de rosé ou de rouge. Il fallait le faire parce que du coup, c'était monté médiatiquement. Dans ma démarche intellectuelle, c'est il faut créer un lien personnel pour lui garantir le fait que nous ne serons pas arrogants, humiliants et tout ça. On a un vrai et profond désaccord. Il n'est absolument pas partisan du revenu universel, par exemple. Désaccord sur l'Europe aussi. On partait à deux histoires différentes, deux cultures différentes de la gauche. Hein. C'est pas nouveau. Est-ce qu'on peut parler du gouvernement? Et bon, lui, non, c'était pas son truc de parler. Il a dû dire, ce pauvre Mélenchon est totalement à côté de ses chaussures. Non seulement il est derrière moi et il me parle comme s'il était devant, mais en plus, il veut faire un gouvernement où on va. Et en réalité, bon, on s'est parlé et on s'est dit ce que je savais. Il n'avait aucunement l'intention de se retirer, quel que soit l'accord qu'on passe. Je ne sais pas, moi, ce qu'on aurait pu passer comme accord, et moi non plus. Donc, on se l'est dit. Ça va très vite, c'est un échange. On se dit en 3 minutes, tu seras candidat, je serai candidat, on ira au bout. Il dit, tu ne vas pas te retirer, je ne vais pas me retirer. Il n'y avait aucune raison à ce moment-là, on est au touche-touche. Et quel que soit le sort, on ne sait pas qui sera devant. Mais on comprend, mais bon, chacun, l'un comme l'autre, on décide d'aller au bout. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc un code de bonne conduite, on évite de s'insulter, on évite de rendre tout impossible. Ça a servi quand même parce que les petites graines qui ont été semées ont germé dans son esprit. Et dans la dernière longueur, il a eu 24 heures où il a hésité. Les tentatives de rapprochement resteront vaines. L'insoumis et le candidat socialiste s'entendent sur un pacte de non-agression
avec pour Jean-Luc Mélenchon le secret espoir de mettre à terre son ancien parti. Il n'y a pas qu'à gauche que le temps est à l'orage. Dans le camp de la droite, une absence va agiter les rédactions et semer la confusion. Le 1er mars 2017, François Fillon était attendu à 8h au Salon de l'agriculture Porte de Versailles, à Paris. La visite de François Fillon ce matin au Salon international de l'agriculture est reportée. Ben, j'en sais rien, j'ai pas plus d'explications, j'écoute comme vous. Allez. Personne n'est au courant, aucun journaliste n'avait été informé auparavant, et personne même dans l'équipe de campagne n'avait été avisé. Il y a une vraie inquiétude. Et je me dis, soit il s'est passé quelque chose de grave dans sa famille, soit il a pris une décision radicale et il est en train de peaufiner quelque chose. Est-ce que François Fillon va continuer à être candidat, tout simplement? Est-ce que vous pouvez nous le dire aujourd'hui? Et pourquoi ne le serait-il? Ce que je sens là, c'est le début de la panique. Et en politique, quand il y a panique, il y a inquiétude, évidemment. Je suis totalement abasourdi par la scénarisation que met en place l'équipe Fillon. C'est-à-dire une ultra-dramatisation de l'événement. Il laisse traîner des heures durant les observateurs sans réponse. En matière de communication, l'attente sans réponse n'est jamais bonne. Une réaction, un sentiment, monsieur Vert. Je peux en faire, merci. En fait, François Fillon est isolé dans son bureau où il reçoit un à un ses principaux soutiens. La façon dont procède François Fillon est complètement à l'image de sa personnalité. François Fillon, il n'aime pas beaucoup les réunions, il n'aime pas beaucoup le collectif, donc il choisit l'entretien individuel. Il m'explique la situation, il me dit qu'il vient de recevoir un courrier du magistrat instructeur pour être convoqué au vu d'une fin de mise en examen. Puis il interrogeait tout le monde sur ce qu'il devait faire. Et moi, je lui ai dit, tu ne peux plus faire campagne, nous ne pouvons plus faire campagne, pense à la France, pense à ta famille, pense à toi. Et là, il m'a interrompu en me disant, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Il faudra attendre 12h20 pour que François Fillon mette fin à toutes les spéculations et rumeurs qui courent depuis le début de la matinée. Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais. Si François Fillon avait pris la décision de se retirer de la compétition, chacun aurait pris ses responsabilités pour imaginer la meilleure des solutions. Mais à ce moment-là, c'est notre candidat qui avait les clés de tout. Seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout, parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. On a compris qu'il ne respectera pas son engagement devant les Français, ce qu'il nous avait dit, à savoir « si je suis mis en examen, j'arrête ». Je vous remercie. Tout le monde a compris ce mercredi-là que François Fillon allait perdre l'élection présidentielle et qu'il allait durablement pénaliser la droite. Ça, tout le monde l'a compris. Chez Juppé, comme chez Sarko. Dans l'équipe du candidat, les démissions tombent en cascade. Et parmi elles, plusieurs proches d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy, tous deux appelés à la rescousse. Nicolas Sarkozy a partagé l'avis qui était unanime à ce moment-là, que probablement Alain Juppé avait beaucoup plus de chances de l'emporter et qu'il convenait que François Fillon se retire au profit d'Alain Juppé. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, je pense qu'ils se respectent, j'en suis même certain. Ils ont des relations contrastées, c'est pas des proches du tout. Et quand il y a cette affaire, en gros, ils se parlent pas. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils se parlent. Il n'y avait eu aucun contact entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy depuis la primaire. Tout le monde était plus ou moins replié chez lui. Le vrai premier sujet, c'est qui appelle qui. Vous savez, comme des enfants. Ah ben non, c'est lui qui doit m'appeler. Et donc, il faut que Alain Juppé appelle Nicolas Sarkozy. François Fillon a bien compris que des tractations se jouent en coulisses. Il va profiter des relations fraîches entre les deux grands perdants de la primaire pour reprendre l'avantage. Tout cela en tenant
un double discours. Son salut passera-t-il par la rue ? François Fillon appelle à la résistance, lance un rassemblement de soutien dimanche, place du Trocadéro à Paris. Il y a eu des échanges entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. François Fillon a fait comprendre plus ou moins à Nicolas Sarkozy qu'il allait jeter l'éponge et qu'il fallait se voir pour pouvoir discuter de l'avenir et de la suite. Il avait donné certains gages de retrait au début du week-end. Et voilà, Nicolas Sarkozy lui avait accordé finalement ce meeting au Trocadéro qui, pour lui, était un peu comme un chant du cygne et une sortie comme ça par la petite ou la grande porte pour François Fillon. François Fillon va parler aux uns aux autres en disant « Écoute, mon cher Alain, je viens d'avoir Nicolas, il veut vraiment pas de toi. » Et puis, j'imagine, François Fillon appelant Nicolas Sarkozy en « Écoute, franchement, Juppé, il n'arrête pas de déblatérer sur toi. » Donc on a un jeu de poker menteur qui s'organise. Il faudra attendre 3 jours, soit la veille du rassemblement au Trocadéro, pour qu'Alain Juppé se décide enfin à appeler Nicolas Sarkozy. Mais en cette fin d'après-midi du samedi 4 mars, l'ancien président des Républicains n'est pas joignable. Quand Nicolas Sarkozy est au Parc des Princes, il ne prend pas son portable, ou s'il le prend, c'est son officier de sécurité qu'il a, et il ne répond pas, pas même à son épouse. Et Alain Juppé appelle une fois, deux fois, trois fois, je ne sais pas combien de fois, bref. Nicolas Sarkozy va la rappeler après le match de foot en question. Ils vont enfin réussir à se parler. Je pense que les deux ont conscience que c'est non seulement l'avenir de la présidentielle qui se joue, mais peut-être même l'avenir de la droite et du centre français qui se joue, et qu'il faut redevenir sérieux. Je pense que Fillon va partir. Ne t'inquiète pas sur les miens. On se voit lundi, on discute et on voit ce qu'on fait. Cette discussion entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé s'est bien passée. Mais elle arrive trop tard. Elle arrive trop tard parce qu'on est la veille du Trocadéro, que du coup on ne peut plus rien arrêter et qu'on reste entre les mains de la décision de François Fillon sans forcer le destin en le faisant partir. Ce matin du 5 mars, François Fillon s'interroge toujours sur son choix. Ce rassemblement au Trocadéro qu'il a imposé, sera-t-il son chant du cygne ou marquera-t-il au contraire un nouvel élan pour sa campagne ? Plusieurs milliers de personnes sont réunies, et parmi elles, un étonnant observateur. Moi, je suis comme ça, j'aime bien me faire mes idées par moi-même. Donc je voulais voir ce qui se passait. C'était clairement un électorat de droite conservateur, traditionnel, très typé, vestimentairement parlant. Bon, ça donnait une tonalité, quoi. C'était un meeting national, le gros moyen avait été mis en œuvre pour faire venir du monde à ce meeting. Il n'y a pas 200 ou 250 000 personnes, comme certains des proches de François Fillon vont essayer de le faire croire, mais il y a bien entre 60 et 80 000 personnes. À vous, mes amis, je dois la vérité. On m'attaque de toutes parts. Et je dois, en conscience, vous écouter. Je dois écouter cette foule immense qui me pousse vers l'avant. Sur les images, une présence retient l'attention. François Fillon est entouré de l'un des principaux lieutenants de Nicolas Sarkozy, François Baroin. Je vais au Trocadéro pour accompagner cet homme en souffrance, pour saluer son épouse en souffrance, pour saluer sa famille en souffrance. Et j'y vais également parce que je pense, je crois, sans certitude, mais je crois que François Fillon va annoncer son retrait. François Baroin a dit qu'il n'était venu à ce rassemblement qu'avec la conviction que François Fillon allait jeter l'éponge. Mais ce n'est pas comme ça que ça va être perçu par le monde politique. Aux hommes et aux femmes politiques de mon camp, je dirais à présent ceci. Il vous revient maintenant de faire le vôtre d'examen de conscience. Alain Juppé suit tout cela à la télévision avec son épouse. Le recours qu'il pensait incarner est en train de s'effondrer. Considérant que Nicolas Sarkozy est derrière la présence de François Baroin au Trocadéro, il a le sentiment qu'il sera totalement incapable de réunir la famille politique au lendemain d'un éventuel départ de François Fillon. Je suis convaincu que cette démonstration de force
avait un seul but, c'était de calmer les ardeurs du plan B. Le succès inespéré de ce meeting galvanise François Fillon. Et il répond à l'invitation du journal de 20h. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Question simple. Allez-vous retirer votre candidature, oui ou non ? La réponse est non. Jamais, à aucun... La réponse est non. Je ne vois pas de raison de le faire. Et surtout, je pense profondément que le retrait de cette candidature aboutit à une impasse politique pour la famille qui est la mienne. Sarkozy s'est trompé sur toute la ligne, sur les intentions de Fillon au Trocadéro, son plus proche entourage. Le sentiment, ce dimanche soir, d'avoir été totalement banané par François Fillon, la pilule est très amère, et d'ailleurs, ils disent « il s'est bien foutu de nous ». Malgré ce baroud d'honneur, le candidat de la droite n'arrive pas à enrayer sa chute dans les sondages. Il est même talonné par le leader de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon croit de plus en plus en ses chances de se qualifier pour le second tour. Je savais que vous seriez là. Écoutez-vous tous cette clameur qui monte de nos rangs. Ce son n'a pas de nom, mais il est un signal. Celui de la force du peuple quand il surgit dans son histoire. Plus la campagne avance, plus des gens nous rejoignent, plus ça monte, plus le personnage Mélenchon prend de la force et plus ces grands adversaires qu'on nous avait présentés, eux, ils dégagent les uns après les autres. Pas nécessairement sous les coups que nous leur portons d'ailleurs, mais en raison de leurs propres contradictions. C'est agréable à regarder tellement il peut être provoquant. Et puis, c'est un talent, c'est un orateur. Et donc, j'ai toujours écouté Mélenchon. Mais le plus intéressant était la foule qui venait. Ça, c'est le juge de paix. Puissants de la terre, nous voici. Nous sommes une nouvelle fois au rendez-vous de notre histoire. Le jour anniversaire du commencement de la glorieuse Commune de Paris qui inventa la République sociale. Mélenchon, il excelle. Il excelle parce qu'il explique le monde. Et il fait des écoles de formation grandeur nature, avec un talent qui est son talent oratoire qu'on connaît. Et nous, à côté, le candidat socialiste, il apparaît comme tout petit. Là, Mélenchon sent qu'il y a quelque chose qui se cristallise autour de sa candidature et qu'il a vraiment une carte à jouer. Nous étions tous d'accord pour dire que ce sentiment dégagiste était très fort. Les gens, écoutez. C'est maintenant qu'il faut montrer ce que vaut le peuple souverain. Il faut que les bulletins de vote donnent le coup de balai qui les fasse tous, sans exception, dégagés. Jean-Luc Mélenchon n'en finit pas de progresser dans les sondages. Il en appelle au peuple souverain, comme François Fillon, un peu plus tôt dans la campagne. Les Français sont donc appelés aux urnes. Vont-ils aller au bout de leur soif de renouvellement profond du paysage politique, avec un tiers d'abstentionnistes et un tiers d'indécis annoncés ? Jamais une élection n'a été aussi incertaine. Voici donc venu le temps du premier tour. À la une ce matin, 47 millions d'électeurs sous le regard du monde entier. Les Français appelés aux urnes pour l'élection présidentielle la plus ouverte depuis 1965. Une seule certitude, l'heure d'ouverture des bureaux de vote, c'est dans une heure maintenant. Ce 23 avril 2017 marque le terme d'une folle campagne. 11 candidats s'affrontent au premier tour. En réalité, la bataille se joue entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, tous peuvent espérer disputer le second tour. Ma conviction, c'est que je vais gagner cette élection présidentielle. J'y suis prêt. Si je n'y étais pas prêt, je ne serais pas devant vous ce matin. Je serai le président de la Ve République. Le dernier, mais le président. Je serai qualifié, j'arriverai en tête. Après tant de fractures à droite, quel peut être le vote des deux grands perdants de la primaire ? Alain Juppé à Bordeaux et Nicolas Sarkozy à Paris resteront silencieux sur cette question.
du côté de François Hollande, c'est un oubli dans le choix des bulletins de vote qui va livrer un indice sur son intention. Elle en prend 4, mais pas le mien. Bon, là, j'ai rigolé. Là, j'ai vraiment rien. C'est comique, quoi, qu'il arrive et qu'il oublie devant une caméra de prendre le bulletin de vote du candidat de son parti politique. C'est donc le maire de Tulle qui a remarqué la méprise, qui lui suggère ce jour-là de prendre le bulletin du Parti socialiste. Bon, mais moi, je pense que ça va le faire. Ouais. Donc, préparez-vous, soyez forts et dignes. Et rappelez-vous qu'on ne représente pas une secte, mais le peuple français. D'accord ? À partir de ce soir. Mmh. Ouais. Collez-vous le bien dans la tête, parce que ça va vous donner du... de la respiration. Et sinon, ben, on aura bien travaillé, et puis voilà. Il est 19h30, presque pile, le décompte est enclenché. C'est parti pour cette grande soirée électorale du premier tour de la présidentielle. Et il va falloir encore patienter. Jean-Luc Mélenchon et sa garde rapprochée attendent les résultats du premier tour dans une auberge de jeunesse à Paris. On s'est dit que c'était jouable. C'est la confirmation qu'on a raison. On n'est pas étonné. Il y a eu une course de vitesse engagée avec l'extrême droite et Jean-Luc avait eu cette formule à la fin, ça se terminera entre eux et nous. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un match Le Pen contre Mélenchon? Ce serait l'horreur de cette élection. Mélenchon-Marine, ça aurait été très atypique. Ça aurait même été un peu révolutionnaire, on peut le dire. Tout est possible à ce moment-là. Quel que soit l'adversaire, on est assez confiant que si Jean-Luc Mélenchon est au second tour, on peut l'emporter. Oui, je pensais que c'était au bout de mes doigts, comme ça. Donc, dans mon esprit, je suis encore plein de l'idée qu'on va y arriver. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est Macron 23, Fillon 20, Le Pen 22, Mélenchon 19. Le quatrième. Laisse tomber. Mais là, c'est pas fini encore les bureaux de vote. Ah non. Non. Notamment les grandes villes. Il ne reste que quelques secondes avant de découvrir qui sont les qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Vous voyez apparaître le décompte. Nous y sommes à 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Ex aequo, François Fillon à la troisième position avec Jean-Luc Mélenchon. 15 ans après son père, Marine Le Pen réussit à hisser le Front National au second tour d'une élection présidentielle. Une victoire teintée d'amertume pour celle qui rêvait de la première place. Ben on est ravis. Bien sûr, on aurait espéré qu'elle engrange plus de voix. Il faut se donner les moyens de convaincre ceux qui ne sont pas encore persuadés qu'il faille nous faire confiance. Donc il faut y aller. Emmanuel Macron ne s'était jamais présenté à une élection. Il n'était pas le représentant d'un grand parti. Mais à 39 ans, il est en passe de réussir son pari, accéder à l'Élysée. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France, le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Il y a eu un rejet de formations politiques qui ont été incapables de se renouveler et qui se sont engluées dans des batailles humaines, violentes à l'intérieur. Et donc il y a eu une forme de sanction de la part des Françaises et des Français. Mes chers compatriotes, malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. C'est historique que notre famille politique ne se retrouve pas au second tour. Je ne pensais pas que, à travers cette présidentielle, la droite puisse atteindre une défaite aussi spectaculaire et avec autant de conséquences. Cette campagne présidentielle a été une sorte de tombe
que nous avons creusé nous-mêmes. Quoi. Merci. C'est la deuxième campagne qui commence, la plus importante. Dès le lendemain, Marine Le Pen est en campagne et elle lance l'offensive. Elle veut faire mentir les sondeurs qui la donnent largement perdante au second tour. Je suis la seule à tracter, là, ou quoi ? Incroyable ! On sait très bien que les 15 jours du second tour, ce sont des jours très intenses où il faut essayer de marquer le maximum de points possible. Il y a une accélération de la campagne et on dit, les analystes, les observateurs, que Marine fait un très très bon début de campagne de second tour. Elle va se dépenser sans compter. Elle va dormir 4 heures par nuit. Et l'actualité va lui donner l'occasion de marquer les esprits. Emmanuel Macron renoue avec le terrain. Il vient d'arriver à Amiens pour rencontrer les salariés de Whirlpool. Nous serons avec le représentant CFDT qui refuse de serrer la main d'Emmanuel Macron. Nous, on est appelés par nos équipes sur place qui sont sur le terrain depuis des semaines et des semaines et des semaines aux côtés des gars de Whirlpool. Macron, manifestement, ne vient pas. Marine Le Pen a bien l'intention de gagner la bataille des images. Alors qu'Emmanuel Macron dialogue avec les syndicats de Whirlpool, la candidate frontiste a une autre stratégie. La décision donc est prise spontanément de m'y rendre et d'aller voir, moi, les ouvriers. C'est très symbolique, en réalité. Regardez qui est là pour vous. Beaucoup. Elle est là. Oh, mais c'est la moindre des choses. Vous l'avez dit qu'elle viendrait. Bonjour. Très plaisir d'être là avec vous. Ben nous aussi. De venir vous apporter mon soutien. L'image qui tourne sur les chaînes d'info, et c'est ce qui compte, et c'est ce que les Français regardent dans cet entre-deux-tours, c'est qu'elle est avec les ouvriers, tandis que lui, il est enfermé avec les représentants dans une salle close. On n'est pas en tête du premier tour, donc on est les challengers. Donc il faut aller chercher les électeurs, il faut aller les convaincre, il faut bousculer un peu le candidat en face. Tenez bon, vous êtes la fierté de tous ceux qui, en France, non seulement bossent, mais tous ceux aussi qui ont plus de boulot à cause de cette politique économique. Vos collègues, ils sont tous sur le parking, là ? Devant ? Ben moi, j'irai. J'irai les voir. J'irai les voir. C'est pas moi, je me suis jamais dérobé, donc j'irai les voir. Okay. Tout le monde vous regarde, et vous êtes vraiment une fierté pour nous et pour tous les Français. Bravo, continuez à vous battre. Marine Le Pen est restée 15 minutes sur place. Deux heures plus tard, c'est au tour d'Emmanuel Macron de venir à la rencontre des grévistes. Dans ces cas-là, je peux prendre un micro, je crie, mais c'est au choix. Oh, je vous écoute. Non, mais c'est pour répondre aux collègues aussi. Il y a du monde, hein. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de salariés qui avaient des sifflets. Ils étaient très nombreux. Plusieurs m'ont dit « bah, c'est le mien, c'est celui que j'utilise pour le travail ». Et puis, il y a une jeune femme qui m'a dit « ce sifflet, je l'ai eu par les militants du Front National ». Comme s'il fallait qu'on fournisse des sifflets sans que les gens puissent les trouver par eux-mêmes. Bon, mais même à supposer qu'on ait fourni des sifflets, il faut des siffleurs. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais sauver vos emplois. Parce que personne ne peut le faire dignement. Je suis en train de vous dire deux choses. Je suis en train de vous dire, je serai là pour protéger un plan social qui défend vos intérêts. Marine Le Pen est restée très peu de temps. Il y a des images fortes, mais elle est restée très peu de temps sur place. Et lui, il reste. Parce que ça n'est pas normal qu'une entreprise, elle verse du dividende comme ils le font et elle fasse ce qu'elle a fait. Il montre qu'il peut discuter, qu'il n'a pas peur surtout, et puis qu'il n'a pas peur de la confrontation, et qu'il n'a pas peur de la confrontation avec les ouvriers. La séquence qui semblait, dans un premier temps, catastrophique pour lui, se transforme en une séquence, a posteriori, plutôt réussie. Cet épisode à Amiens démontre en tout cas plus que jamais qu'à quelques jours du deuxième tour, les deux candidats sont bien décidés à se rendre coup pour coup. C'était normal, j'avais pris l'engagement vis-à-vis de vos collègues. Le mercredi 3 mai, les électeurs s'apprêtent à vivre le moment le plus intense de la campagne d'entre-deux-tours, avec le débat télévisé. Dans le camp frontiste, Marine Le Pen voit sa préparation perturbée. Elle est prise d'une migraine ophtalmique très très forte, au point même qu'elle n'arrive quasiment plus à voir. J'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive, donc j'étais un peu décontenancée, car je ne savais pas de quoi il s'agissait. Cette migraine ophtalmique était due à un surcroît de fatigue. Hein. Manque de sommeil, surcharge de travail. Il y a eu une très mauvaise gestion de l'énergie de la candidate.
emportés par la fougue, mes équipes se sont dit, il faut en faire plus tous les jours, plusieurs fois par jour. Moi, j'ai reconnu qu'on avait un peu chargé l'agenda les jours qui ont précédé le débat. Ça, c'est de ma responsabilité, donc moi, je l'assume. Oui, on a trop chargé l'agenda. Arrive une tonne de notes que j'aurais dû avoir bien avant. J'essaye de trouver une cohérence dans ces tonnes de notes. Et puis, à un moment donné, je me rends bien compte qu'il faut qu'au moins, j'aille dormir un petit peu. La situation apparaît à leurs yeux si préoccupante que dans l'entourage de la candidate, certains envisagent une solution radicale. Aurait-on dû demander l'annulation du débat ? Oui. Oui. C'était pas une éventualité parce que tout était calé et qu'il n'y avait pas le choix. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir, bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Alors le tirage au sort vous a désigné Marine Le Pen pour commencer. C'est donc vous, monsieur Emmanuel Macron, qui conclurait. Bah écoutez, je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour parce que la réalité, c'est que le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes. Il y a l'idée d'être relativement offensif. Être offensif et dévoiler ce qu'est le vrai Macron. Pendant longtemps, pendant la campagne, la critique d'Emmanuel Macron est plutôt une critique du vide. Moi, ce que je souhaite faire, c'est une critique du plein. À savoir dire précisément ce qu'il y a derrière les grandes envolées d'Emmanuel Macron. Et tout cela piloté par M. Hollande, hein, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Elle l'a harcelé, elle le provoquait. Ça fait 20 ans qu'elle fait de la politique, elle est habituée au plateau télévisé, et puis surtout, c'est une Le Pen, donc c'est une vraie batteleuse, donc elle pense vraiment qu'elle va plier le match, en tout cas sur la forme. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Face à elle, elle a quelqu'un qui est de marbre, qui reste imperturbable et qui ne répond pas à ses provocations. On a l'impression d'avoir une candidate qui a du mal déjà à sortir de ses fiches. Cherchez dans vos dossiers, vous seriez bien vérifier. Oh oui, je vais vous retrouver ça immédiatement allez-y. Et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. Je connais un peu les dossiers. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à General Electric de rentrer dans Alstom. J'ai, moi, personnellement. Madame Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et General Electric. On l'a vu cherchant ses papiers, cherchant les regards des uns et des autres, récitant plus que parlant. À l'évidence, je n'ai pas assez préparé le débat, bien entendu. Enfin, Emmanuel Macron a disparu pendant 3 jours. Manifestement, il a passé ces 3 jours à préparer le débat. Mais je n'avais pas, nous n'avions pas la connaissance de ce que c'était qu'un débat présidentiel. Emmanuel Macron avait autour de lui des gens de droite, de gauche, qui avaient vécu des présidentielles, qui savaient ce que c'était. Moi, je n'avais personne qui avait cette connaissance-là. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones. Et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Je ne comprends pas là aussi qu'on envoie une candidate avec des dossiers mal ficelés, mal arrangés. Qui lui a passé le dossier au dernier moment ? Qui ? Moi, j'ai eu le sentiment d'assister à une sorte de naufrage assez pathétique. Votre projet, c'est un projet qui vise à vivre de la peur et des mensonges. C'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui a nourri votre père pendant des décennies. C'est ce qui a nourri l'extrême droite française et ce qui vous a fait vous. C'est pour ça que je n'en veux pas pour mon pays. Parce que la France que je veux, elle vaut beaucoup mieux que ça. Jamais il n'est sorti de sa maîtrise, de sa sobriété. La qualité est apparue. Macron s'est imposé. Pour moi, la question était réglée. C'était instantanément décisif. Et je lui ai dit, ce qu'il est sorti du plateau, comme toujours, il ne savait pas très bien. Et je lui ai dit, c'est fait, c'est fini. Vous êtes président de la République, c'est fini. Il est 20h. Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. C'est un Macron qui marche un peu sur les eaux, qui
entre dans cette campagne comme un joueur de Ligue 2 et qui finit comme Ballon d'Or. Donc c'est quand même assez exceptionnel. La stature qu'il se construit par cette scénographie de l'homme seul dans la cour du Louvre, qui reflète l'histoire de la France, pas simplement l'histoire de la République française, mais toute l'histoire de France, est une symbolique puissante, forte. Ce temps incroyablement long où il marche, il est à la fois le général de Gaulle qui s'avance et François Mitterrand au Panthéon. Donc c'est le retour du pouvoir en majesté. Le culot extraordinaire qu'il a, on ne peut pas ne pas être sensible à ça, c'est en complètement mégalo. La pyramide, le Louvre des rois, c'est fort quoi, je veux dire, le gars il ose. Il a bien compris qu'il y a un monde qui ne reviendra plus, mais il pense qu'il y a une absence du monarque quoi, qu'il s'agit de remplir. Il y a eu une forme de sanction de la part des Françaises et des Français et une tentation d'aller vers celui qui était le plus jeune, le plus moderne. Donc c'est une élection qui a fait exploser l'ensemble des machines politiques. Le plus malade, c'est le Parti Socialiste. Et là, je suis incapable de dire comment tout ça va se dessiner. Je pense qu'on est à la fin d'une histoire et qu'il faut réinventer quelque chose à gauche ou dans le camp progressiste, mais ça, c'est pour les années qui viennent. Le surgissement de Mélenchon, des Insoumis, de ce bloc-là, est forcément pour le Parti Socialiste une question extrêmement difficile à traiter. Il mettra beaucoup de temps à se remettre, s'il se remet. Il y aura sans doute une redistribution des hommes selon ces nouveaux clivages et des femmes. Et peut-être que ceux qui se disaient de gauche hier, on les retrouvera franchement à droite. J'ai un doute sérieux sur la soi-disant grande recomposition du paysage politique, parce que je pense que la droite et la gauche sont des familles ancrées dans la vie politique française. On s'en débarrasse pas comme ça. Merci. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Je me dis que tout ça est bien triste et que la droite vient de vivre un épisode absolument traumatisant pour elle et qui va l'obliger sans doute à une profonde reconversion politique et intellectuelle. Aujourd'hui, comment reconstruire une famille à droite sur des décombres face en plus à un président qui se revendique de droite et de gauche en réalité, d'un déclivage. Mais bon, les graines finissent toujours par repousser, donc on en sortira. Quand ? Personne ne peut le dire. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense. Et elle commencera dès demain. Voilà, c'est une campagne inédite, mais je crois que cette grande mer agitée qu'est le peuple français ne s'est pas calmée par le résultat de l'élection. La France reste un pays qui est sur mer agitée. Donc la tempête, elle est encore là. Vive la République ! Vive la France ! Voilà pour ce récit d'une présidentielle hors norme en quelques mois, d'une campagne éclair. Emmanuel Macron a fait voler en éclats le système politique français, mais aujourd'hui, après un an de présidence, comment est-il perçu par l'opinion, puissant ou fragilisé, de gauche ou de droite? Cette question a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Qui incarne l'opposition? À suivre notre sondage exclusif et deux invités qui ont suivi de l'intérieur cette campagne il y a un an. Anna Cabana, rédactrice en chef au Journal du Dimanche, bonsoir. Bonsoir. Et puis Nathalie Saint-Cricq, on se souvient également de votre
votre participation à ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est un bon souvenir, Nathalie. C'est un excellent souvenir parce que j'ai l'impression qu'il s'est noué vraiment quelque chose et que la violence que les téléspectateurs ont ressentie, nous-mêmes, on la ressentait également. Vous la ressentiez sur ce plateau? Moins que vous, parce que vous, vous aviez une réalisation où on les voyait tous les deux là, à côté de l'autre. Et nous, on était un peu éloignés, puis surtout, ils ne nous regardaient jamais. Ce qui explique la difficulté qu'on a eue à... On avait envie de leur faire ça de temps en temps en leur disant « Ouh, on existe vous... alors, le fameux alors. » Voilà, 16 fois, 17 alors, alors. Mais ils avaient décidé de faire un véritable face-à-face. Du côté d'Emmanuel Macron, on m'avait presque prévenu en me disant « Ça va être une boucherie. » Ils s'y attendaient. Ils pensaient que ça allait être d'une violence extrême. Et franchement, les journalistes, ce n'était pas le sujet. Même si on était censé essayer de faire progresser le débat, c'est-à-dire de pas rester dans l'invective permanente sur des sujets de fond, à un moment donné. Alors, Anna Cavana, en s'imposant comme il l'a fait il y a un an, Emmanuel Macron a fait exploser la vie politique française. Est-ce qu'il l'a remis en cause également, finalement, votre métier d'éditorialiste politique? Est-ce que, en, avec cette victoire, il a tout bousculé? Mais bien sûr, il a brisé tous les codes et il, si vous voulez, il pensait que la France et les Français n'attendaient que ça et que voilà, il y avait un alignement de planètes au-dessus de sa tête. Et il a joué ce jeu jusqu'au bout et dans l'idée précisément de pulvériser la façon même dont on fait notre métier, nous journalistes politiques, et d'abord les journalistes politiques. Il faut savoir une chose, c'est qu'Emmanuel Macron considère que les journalistes politiques sont ses ennemis politiques et qu'il faut jouer avec d'autres journalistes parce qu'il pense qu'en fait, on a incarne plus encore que tout autre le vieux monde qu'il dénonce, Laurent Delahousse. C'est combien ça qu'il a dans la tête. Combien d'entre eux, après avoir dit qu'il n'accédera jamais au pouvoir, qu'il n'aurait pas de majorité, qu'il ne serait pas gouverné, combien ont fait leur mea culpa? Assez peu, quand même. Peu. Assez peu, mais enfin, c'était un phénomène absolument inédit. Mais alors, pour préciser ce que dit Anna, il nous aimait beaucoup avant. Oui, avant. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu toute une période pendant laquelle on avait accès à lui. On voyait non pas très clairement où il voulait aller, mais quand même. Nous n'étions évidemment absolument pas sûrs qu'il réussirait, parce qu'on répétait les trucs qu'on entend depuis 30 ans, c'est-à-dire on ne peut pas gagner quelque chose quand on n'a pas un parti derrière soi. Bon, voilà, mais il nous a aimés. Ça n'a pas duré très longtemps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a changé aussi ce logiciel-là. Le président François Hollande, qui aimait consulter, écouter... les journalistes, oui, assez souvent. Au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il a fait le contraire de ce que faisait François Hollande. Oui. Il a observé François Hollande, il a trouvé il que a coupé ce catastrophique. Lien. Catastrophique de parler sans arrêt aux journalistes, catastrophique d'avoir des frondeurs, donc il fait exactement le contraire. Et puis, si vous voulez, il a une idée très claire de ce qu'est... Il dit ne pas aimer la politique politicienne, même si c'est le roi des politiques quand on regarde. Donc, il considère que le microcosme journalistique fait partie de ces espèces de gens qui vibrillonnent, qui jacassent politique, et il ne veut pas. Lui, il veut avancer, construire et se moquer totalement de tout ça. Observons ce que sont devenus les uns et les autres. On va commencer par le premier d'entre eux, François Hollande, le retour par un livre. Et qu'est-ce, quel livre? Qu'est-ce qu'il attend, François Hollande, avec ce livre? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut avoir un peu de reconnaissance. Il veut considérer qu'il ne peut pas finir comme ça sans que tout le monde l'oublie, et il essaie de revendiquer un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il envisage potentiellement de revenir en politique? Je pense qu'on ne supporte jamais l'idée que c'est fini, que dans toute la vie... C'est finalement son corpus, il a besoin au moins d'y croire. Mais d'y croire, de s'occuper, de faire des choses, de pas être... Il est encore jeune. Et on aura de plus en plus de présidents qui finiront jeunes et qui auront un avenir après. C'est très difficile de penser que c'est fini. La politique, c'est toute sa vie. Je ne dis pas qu'il s'intéresse qu'à ça, mais je crois qu'il s'intéresse aussi, à ça. Vous pouvez le dire. Oui, parce que d'ailleurs, ça suinte dans son livre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire le deuil de la politique parce qu'il n'est que politique, François Hollande. Et vous avez vu l'amertume qui transpire dans chaque page de ce livre. C'est-à-dire qu'à la fois, il essaye de se réhabiliter, c'est-à-dire que de dire, attendez, je ne suis pas seulement le petit président que vous décrivez, mais en même temps, ce livre, si vous voulez, est quand même, c'est un règlement de compte qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un ancien président de la République. Et il y a quelque chose dans son regard, quand il parle de François Fillon, c'est-à-dire que le jour où il a vu les affaires avec François Fillon, quand il a vu que François Fillon s'effondrait dans le sondage, il s'est dit, mon Dieu, si j'avais été candidat ou si je m'étais donné la possibilité de rester. Donc, il n'a pas complètement abandonné cette idée qu'il aurait quand même pu, peut-être. Il y en a un autre qui a dû penser à cela. Un mot maintenant de Nicolas Sarkozy. Il a été récemment mis en examen dans l'affaire des financements libyens et placé sous contrôle judiciaire. Une première pour un ancien président. Pourtant, juste avant cela, on le revoyait consulter les uns les autres. Lui aussi, à ce moment-là, il espérait, pourquoi pas, en tout cas au moins influencer son camp politique. Voilà, non, mais Nicolas Sarkozy va être le parrain de son camp politique. Si vous voulez, c'est ce rôle-là qu'il joue depuis maintenant un petit moment. Et donc, il pense que son camp politique ne s'est pas reconstruit en dehors de lui et qu'au fond, il est le meilleur d'entre eux. Mais il n'a pas l'espoir de revenir. Un mot de Benoît Hamon, ses espoirs à lui aujourd'hui, qui a perdu son mandat de député, qui a quitté le Parti Socialiste, qui a fondé un mouvement. Bah écoutez,
pense que... C'est assez étroit son positionnement, finalement, entre le Parti socialiste et Jean-Luc Mélenchon. La porte est très étroite, comme on dit dans la Bible. Effectivement, ça va être assez compliqué pour lui. Surtout qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui, manifestement, ne supporte pas d'avoir de s'allier à quiconque. Donc, je pense que ça va être très, très long. On ne sait pas exactement où il est. Puis, en plus, il y a quand même un Parti socialiste. Enfin... qui existe encore. À suivre. Oui, voilà. À suivre, plutôt. Jean-Luc Mélenchon, on le voit apparaître, il est aujourd'hui perçu comme le premier opposant. Est-ce qu'il se voit mener, Jean-Luc Mélenchon, une nouvelle campagne d'aller jusque 2022? Le dégagisme, c'est lui. Hein. Donc, il y a un moment donné où si ça lui revient en boomerang, il ne faudra pas forcément s'étonner. Il l'envisage, lui, au fond de lui? Je crois qu'il l'envisage. Je crois d'adouber quelqu'un. Il adore... les campagnes présidentielles. C'est un tribun formidable, c'est un bretteur excellent. Il l'a été durant cette campagne et il a grimpé dans les sondages au fur et à mesure de ses prises de parole. Donc, l'idée qu'il puisse... je pense qu'il y a deux cerveaux chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a un cerveau raisonnable qui lui dit qu'il aura, je pense, quelque chose comme 71 ans. 70. Bon, au moment où il sera, et que peut-être ça n'est pas totalement raisonnable de recommencer. En plus, il y a un côté redite à un moment donné. Mais d'un autre côté, vu l'état de la France insoumise, on voit mal qui pourrait être le leader. Un autre personnage de cette campagne, personnage clé, François Fillon. Il a rejoint une société française de gestion, d'actifs et d'investissements. Le couple Fillon a été mis en examen pour des soupçons d'emploi fictif. L'enquête menée par les juges d'instruction, est-ce qu'elle a avancé? Est-ce qu'elle progresse? Est-ce qu'on a du nouveau? C'est assez perturbant qu'il n'y ait pas de nouveau. On peut se dire que ça a été assez rapide. Assez rapide à un moment donné et un peu moins. Il serait souhaitable. Qui doit, entre guillemets, alimenter beaucoup de choses dans son corps. François Fillon est sur la théorie du complot. Hein, complot dont il ne sait pas exactement qui, si c'est la gauche, les journalistes, un mélange des deux tout. Mais je pense que pour la démocratie, il serait ça que les choses avancent, de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a été monté il y a un an et dont on ne voit absolument pas l'issue. Un mot de celui qui revendique aujourd'hui ce leadership sur la droite, Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il peut avoir l'ambition, finalement, d'incarner ce que Nicolas Sarkozy, en son temps, a incarné? Je vous confirme qu'il a cette ambition, Laurent Wauquiez. C'est-à-dire qu'il y a bien une chose qui est claire. Il est habité par la certitude qu'il a un destin présidentiel et qu'il y a un match à installer entre lui et Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous voyez, avec d'un côté Macron, le petit prince des villes, et lui, Laurent Wauquiez, les bottes crottées dans les terroirs de France. Dans les enquêtes d'opinion vient... Non, pour l'instant, ça ne marche pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'opposition à Emmanuel Macron. Donc, le pari de Laurent Wauquiez, si vous voulez, c'est précisément que dans cette décomposition qui a eu lieu, eh bien, la recomposition n'a pas encore trouvé son débouché et qu'il puisse incarner dans cette recomposition le leader de l'opposition. Il pense que les plaques tectoniques, si vous voulez, ne se sont pas arrêtées. Avec pour ambition peut-être d'aller chercher un peu à droite de la droite, du côté de Marine Le Pen. Il n'a pas avoir besoin d'aller chercher. Il considère que ça sera lui, la droite de la droite. Le seul problème, c'est de savoir si le leadership, ça sera Marine Maréchal qui lui fera de l'ombre, ou alors si ce sera lui le chef de la droite un peu à droite ou de la droite très à droite. Donc c'est vous venez de me dire qu'on est passé au-dessus de Marine Le Pen. Vous venez de me parler de Laurent Wauquiez et de Marion Maréchal. Ça veut dire que Marion Maréchal Le Pen, c'est quoi? C'est le Emmanuel Macron de François Hollande pour Marine Le Pen? On a tous un Emmanuel Macron, mais là je pense que pour le coup, quand on l'a vu apparaître, même si c'était court, même je sais pas quoi, aux États-Unis, elle ringardisait sa tante. Et Laurent Wauquiez, il considère que son ennemi, aujourd'hui, son adversaire, c'est elle. C'est elle. Et qui va bouffer l'autre, ça va être le sujet de cette droite-là, en tout cas. Alors, les résultats maintenant de notre sondage IFOP Soprasteria, en partenariat avec France Inter, concernant Emmanuel Macron, un an après son accession à l'Élysée. Comment est-il perçu par les Français? Approuve-t-il ses réformes? Et lui ont-ils recollé une étiquette politique? Avant d'en débattre, voici les résultats de ce sondage exclusif. Un an après son élection, Emmanuel Macron est-il parvenu à convaincre les Français par son action? La réponse obtenue par notre sondage est claire. Non. Presque deux tiers des personnes sondées se disent déçues de son bilan. Et un peu plus d'un quart se déclarent même très déçus. Avec évidemment des variations. Non seulement selon les affinités politiques des personnes interrogées, les électeurs de droite sont en moyenne beaucoup plus satisfaits de lui que les électeurs de gauche, mais aussi en fonction des actions gouvernementales. Les mesures fiscales, par exemple, qui dans leur ensemble favorisent les plus aisés, sont désapprouvées par 69% des Français. 43% des sondés, en revanche, approuvent sa réforme du Code du travail et 68% sa loi sur la moralisation de la vie politique. De la même façon, presque deux tiers des Français soutiennent son projet de loi sur la réforme de la SNCF. Restent deux points intéressants. 1. Emmanuel Macron, qui a été élu en se présentant comme inclassable, reste en effet inclassable. Près de la moitié des Français considèrent qu'il n'est ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Et deux, à ce point de son mandat, il s'en sort beaucoup mieux que Nicolas Sarkozy et surtout que François Hollande. En moyenne, les Français sont deux fois plus satisfaits de son action que son prédécesseur la première année de son quinquennat.
Alors Emmanuel Macron, plutôt perçu à droite, 35% des personnes sondées, mais qui reste inclassable après une année de pouvoir ni de gauche, ni de droite, ni du centre, pour 46% des Français. Sans surprise, pour vous ? Sans surprise, oui, parce que d'une certaine manière, pour l'instant, il a fait plutôt des choses, comment dire, de droite, avec une campagne qui se voulait droite de gauche. Donc perçu et réellement de droite actuellement dans sa politique. Perçu et réellement parce qu'il explique qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont d'abord des mesures de droite, c'est-à-dire libérer l'initiative, libérer les entreprises, la suppression de l'impôt de la solidarité sur la fortune remplacée par l'impôt sur la fortune immobilière, sont un certain nombre de signaux. Donc on n'a pas l'impression pour l'instant, effectivement, que toutes ces mesures dites de gauche, c'est-à-dire sociales. Alors on va me dire la taxe d'habitation, on va me dire l'augmentation du minimum vieillesse, très bien. Mm-hmm. Mais pour l'instant, la perception, je trouve que la perception des Français est bonne. Alors là, on va voir un petit peu avec tout ce qui se passe en ce moment, quand il va embrayer après la SNCF, après tout ce mouvement, si il y a quelque chose qui se potentialise d'un côté ou de l'autre, mais je pense que les Français sont sages. Sera-t-il obligé de donner un coup de barre à gauche à un moment donné, en tout cas avant la fin de son quinquennat ? Il est obligé de décoller l'étiquette de président des riches. Ça, ça oui. C'est une étiquette encombrante. C'est un vrai elle sujet pour lui. Elle le fut pour Nicolas Sarkozy, oui. Elle le fut pour Valéry Giscard d'Estaing, elle le fut pour d'autres avant. Mais aujourd'hui, c'est souvent très difficile de décoller cette étiquette. Voilà, mais ça, si vous voulez, c'est conseiller politique. Les inquiète. Ça les inquiète et ils considèrent que c'est la seule, si vous voulez, c'est la seule tâche à ce stade dans le quinquennat. C'est-à-dire que ça leur... Attendez, il faut savoir une chose, c'est que c'est le sondage dont on voit les résultats, le caractère inclassable d'Emmanuel Macron, c'est une victoire pour Emmanuel Macron. C'est précisément ce qu'il a cherché à incarner. Et à continuer à brouiller ses pistes. Et de brouiller les pistes jusque presque un an après son élection. De ce point de vue-là, il y a vraiment victoire. Maintenant, il faut décoller les quelques étiquettes qui le classent trop à droite. C'est ça leur ambition. Est-ce qu'à un moment donné, les Français vont pas avoir un peu peur de cette culture-là, d'être bousculé tout le temps également. Mais écoutez, pour l'instant, il tient la barre entre, d'un côté, la verticalité, vous savez, du monarque républicain. Alors, il a appelé ça Jupiter. Maintenant, il regrette d'avoir appelé ça Jupiter. Mais il y a de la verticalité dans son incarnation de la présidence. Et donc, il y a de ce côté-là la verticalité de l'incarnation et de l'autre côté, le start-upper un peu brutal qui peut passer en force. Il pense, Emmanuel Macron, que s'il continue de tenir la barre entre ces deux items, eh ben, il va s'en sortir. Voilà, parce qu'il ne sera pas seulement le président brutal. Il sera toujours un peu Jupiter. Il a ouvert une voie justement à l'imprévu, à l'imprévisible. Il pourrait en être victime dans quelques temps. On verra. Affaire à suivre. Merci Anna Cabana, merci Nathalie Saint-Cricq d'être venue nous rendre visite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de 20h55.